Avant de présenter les intervenants présents, je vais revenir sur un... Je ne vais pas redire évidemment les éléments qui ont été donnés par les intervenants de la première table ronde, mais je souhaiterais revenir sur trois points. Face à la triple crise que nous subissons, à la fois une crise de la mondialisation financière, une crise sociale et politique et une crise écologique, à proprement parler même plus qu'une crise écologique, de multiples crises écologiques, on pourrait parler de mosaïque de crises. On voit bien que la nécessité de créer une communauté technocritique avec une pensée critique radicale est de plus en plus vitale. Je voulais juste faire un petit point de vocabulaire sur la radicalité, puisqu'on cite souvent le mot radical, cette personne s'est radicalisée, ce sont des radicaux, etc. La radicalité, c'est revenir à la racine, à la source des problèmes. Et en aucun cas, la radicalité ne peut être confondue avec un extrémisme ou un jusqu'au boutisme. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'omniprésence dans le discours médiatique des technoprophéties, des technodiscours, des technopromesses. Encore récemment, ce mois-ci, un certain Emmanuel Macron, lors d'un grand salon VivaTech, Vive la technologie, était présent pour soutenir ce développement de cette Startup Nation, ce développement de ces multiples progrès, entre guillemets, technoscientifiques. Le mot smart est employé à toutes les sauces. Des smart, il y en a partout. Donc, on a un smartphone, un téléphone dit intelligent. Il y a le développement futur de la smart city, la ville dite intelligente. Et en fait, c'est cette succession d'utilisation de mots, y compris l'intelligence artificielle. Par exemple, on dit qu'un téléphone dit intelligent est bourré d'intelligence artificielle. En fait, le téléphone n'est pas intelligent en lui-même. Une souris, un perroquet, une salamandre, un poulpe, pour reprendre les propos de Paul Jorion tout à l'heure, est bien plus intelligent qu'un ordinateur ou qu'un smartphone ou 10 smartphones qui lui est juste doté d'une puissance de calcul et de ses composants. Philippe Biwix récemment, qui est un auteur qui a écrit un très bon livre qui s'appelle L'âge des low-tech et qui a sorti un livre récemment dans la même collection, la collection Anthropocène, disait qu'il fallait s'opposer à la Startup Nation et lui opposer la Low-Tech Nation. Il y a donc une nécessité de rompre avec les imaginaires de la croissance, de l'innovation, du productivisme. Et les trois grands mots qui se développent, les mots MOTS qui se développent actuellement, les mots d'accumulation, d'accélération, de quantification, de tout quantifier, sont à mettre en balance avec des pistes de résistance, des actions concrètes. C'est-à-dire qu'il faut mettre en balance, de l'autre côté de la balance, que nous soyons capables de nous organiser pour nous opposer à ces dérives de l'expansion numérique, mais de l'expansion technicienne au global. On peut penser aux différents mouvements de la décroissance. Fabrice Flippo, qui devait intervenir, malheureusement, ne sera pas avec nous. Mais on pense à toutes les différentes composantes des mouvements de la décroissance. On peut penser aux écolieux, aux écovillages qui se développent jusqu'à des formes plus poussées d'autogestion comme les ZAD, l'anarcho-autonomie. Et je pense que dans le débat, puisqu'on parle des pistes de résistance concrètes, on pourra, évoquer aussi quel type de forme d'action, la non-violence, la violence, quelle violence, envers quoi, etc. Donc je pense qu'on soulèvera.
Je ne veux pas être trop long, donc je finirai rappeler que depuis 6 mois en France, il y a un mouvement social inédit, de grande ampleur, le mouvement des Gilets jaunes, avec plus de 3000 blessés, des morts également. Et les Gilets jaunes ont été évoqués par François Jarige tout à l'heure. Je pense que Célia, tu en parleras un petit peu. Le système technicien et les techniques sont utilisées contre ce mouvement, que ce soit des techniques de surveillance, des techniques de répression, des techniques judiciaires, des techniques de criminalisation, donc on parle de criminalisation, de judiciarisation. Et donc je pense que ça serait bien d'évoquer également tous ensemble, après c'est libre, hein, ça sera un débat dans la deuxième partie, après la courte pause, d'évoquer également comment soutenir, aider ce grand mouvement protéiforme et qui est toujours vivace des Gilets jaunes. Alors maintenant, je vais présenter nos trois intervenants. Je présenterai à chaque fois que vous allez vous exprimer, mais je vais présenter Joël. Donc Joël de Carcin, vous êtes tué professeur d'art plastique, artiste, et tu es à l'initiative de la création de la principale association technocritique en France, Technologos. Je te laisse la parole. Merci Edouard et merci les organisateurs de cette journée que je trouve pour le moment remarquable. On va essayer de rester à la hauteur. Alors j'ai trois choses à dire. D'abord, je ne suis pas un orateur, je préfère me référer à des notes, je m'en excuse par avance, j'essaierai de rendre mon exposé malgré tout vivant. Je vais réduire la durée de mon intervention qui était prévue à 20 minutes à 15 minutes et j'ai fait en sorte que mon exposé suscite du débat. Donc à certains égards, je serai provocateur au sens de maïeutique du terme. Hein, voilà. Alors d'abord, dans un article paru il y a quelques mois sur le site de Science Critique, j'ai parlé de la nécessité de faire émerger une communauté technocritique. Et Anthony Laurent m'a demandé de revenir aujourd'hui sur cette idée. Mais avant de parler de communauté technocritique, alors j'entendais communauté au sens communauté de pensée, hein. Mais avant de parler de communauté technocritique, il me semble nécessaire de s'entendre sur le sens du mot technocritique. Bon, ça a été rappelé par Anthony tout à l'heure et puis aussi par François. Le terme technocritique a été forgé en 1975 par Jean-Pierre Dupuis, qui était un philosophe et aussi un ingénieur. Et il était à l'époque, il dirigeait une collection au Seuil, et c'est donc le titre de la collection, c'était donc technocritique. Et puis, il y a, je crois, 6 ans, il y a eu le livre de François qui donc s'intitule « Technocritique au pluriel ». Et le mot est un peu entré dans le langage courant, enfin en tout cas dans nos sphères militantes. Alors, j'ignore ce qu'il en est. Ça, c'est la situation en France. Le mot technocritique, il est usité, même si c'est de manière marginale, il est usité en France. J'ignore ce qu'il en est à l'étranger, s'il y a des équivalents. Et ce serait intéressant de le savoir, d'ailleurs. Parce que moi, je le trouve très, très beau. Parce qu'il est concis et... Alors, il pose quand même un problème, c'est quand on dit technocritique, critiquer la technique, c'est être technocritique, est-ce que c'est critiquer la technique? Justement, il y a déjà un désaccord entre la plupart des membres de la mouvance technocritique, parce que certains préfèrent employer la technique, ce qui est mon cas, d'autres la technologie. Tout à l'heure, François et Jean-Baptiste parlaient de critique des techniques. Alors, on pourrait dire que là, on est dans les querelles byzantines. Je le dis tout de suite, pour moi, cette question de vocabulaire, elle est très importante. Et s'il doit y avoir une communauté, il faut un langage commun, en tout cas des références communes. Alors, peut-être, comme Fabrice n'est pas là, on pourra avoir un temps de débat supplémentaire, mais j'y reviendrai probablement dans les échanges avec le public. Alors, partons, je vous propose de partir de l'idée que la technocritique,
c'est la critique d'une façon collective de penser et de vivre la technique ou la technologie. La critique d'une façon de penser et de vivre, autrement dit, la critique d'une idéologie, qu'on appellera idéologie technicienne. Cette critique est une critique militante, engagée, mais une critique extrêmement marginale, ultra minoritaire et quasi inaperçue. Là, on est presque dans l'entre-soi ce soir. On est très, très, très peu connu. Il n'a pas été question de technocritique, vous l'avez remarqué dans le débat des dernières élections européennes. Alors, cette critique, donc, le type de critique, alors pourquoi est-ce qu'il en est ainsi ? Parce que le type de critique militante qui domine à travers le monde, pas simplement en France, de nos jours, et depuis maintenant près de deux siècles, on va dire depuis 1848, et le manifeste du Parti communiste, c'est la critique marxiste. En d'autres termes, la critique du capitalisme. Il en a été question tout à l'heure dans le débat qui a suivi les interventions. Et je vais m'attarder là-dessus. Certes, depuis l'écroulement du bloc soviétique, on ne se dit plus marxiste. Mais au fond, pour entendre les arguments qui reviennent le plus souvent dans le débat public, c'est toujours plus ou moins la même grille de lecture qui revient et qui domine. Au centre du capitalisme, il y a le capital, il y a l'argent, il y a la concentration de l'argent dans les mains de quelques-uns au détriment de beaucoup d'autres. Et il y a ce qu'on appelle donc les inégalités. Ces inégalités sont intolérables et il importe de les dénoncer, de les combattre. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce point ce soir. Mais qu'entend-on également souvent dire dans le débat public accompagnant le discours de dénonciation des inégalités ? Qu'il importe de veiller à ce que chacun dispose d'un minimum de pouvoir d'achat. Ce qui signifie en clair, en tout cas pour moi, que la dénonciation des inégalités sociales s'inscrit le plus souvent dans le cadre d'une conception du monde étroitement matérialiste. Et c'est cette aporie, me semble-t-il, qui doit être au cœur de la pensée technocritique. C'est d'abord sur elle que doit s'établir un consensus. Pour le dire de manière ramassée, j'avancerai l'idée qu'il n'est de communauté technocritique concevable que sur la base d'une dénonciation de ce matérialisme. Alors, plus concrètement, je vois deux obstacles majeurs à la constitution de cette communauté. Le premier d'entre eux, c'est, je crois, justement, l'absence d'un consensus ou la permanence d'un certain flou concernant les liens existants entre idéologie technicienne et idéologie capitaliste. J'entends parfois l'expression techno-capitalisme. Et je dois dire que ce genre d'expression suscite chez moi les plus grandes réserves. J'ai d'ailleurs écrit un article sur Science Critique qui s'intitule « Impasse de la technoscience », je pense que ces mots valises introduisent plus de confusion que d'explicitation. Parce qu'ils ne disent pas, finalement, quelle est la relation entre les deux termes. Pour m'expliquer sur ce point, je reviens sur la question des inégalités sociales. Que celles-ci ne cesse de croître et que la finance ou une poignée de financiers. Alors je précise qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai été très actif dans le mouvement altermondialiste, notamment dans l'association ATTAC. Donc je parle d'expérience. Alors que ces inégalités ne cessent de croître et que la finance ou une poignée de financiers gouverne le monde, on est bien d'accord pour y voir un scandale. Pour autant, il importe de ne pas se fourvoyer dans une vision manichéenne du monde. Dans cette affaire, toutes les responsabilités sont engagées. Si le capitalisme a encore de beaux jours devant lui, et là je me lance dans une analyse prédictive, c'est avant tout parce qu'une immense majorité de nos congénères veulent pouvoir acheter, pouvoir acheter, en vue de s'assurer toujours plus de confort matériel.
ce qui leur assure ce que leur assure précisément le progrès technique. Le progrès technique dispense du confort matériel. Le progrès technique est infiniment séducteur dès lors qu'on est en quête de confort matériel. Au fond, les acteurs, entre guillemets, du capitalisme ne font que répondre à une demande, pour parler en termes d'économistes, à une demande et à stimuler celle-ci en provoquant un surcroît de l'offre au moyen d'une technique ayant pour nom publicité. La publicité est une technique. Or, ce qui est au cœur de l'anticapitalisme, c'est, à mon avis, le déni de cette réalité. D'où une approche extraordinairement clivante. D'un côté, les dominateurs, de l'autre, les pauvres et innocents exploités. Alors que l'idéologie technicienne est extrêmement complexe, le simplisme, à mes yeux, règne. Les anticapitalistes posent les problèmes en termes de domination. Or, ce qui, pour le coup, domine, ce n'est pas un diagnostic, une série d'analyses expliquant comment il est possible que le fossé se creuse entre les riches et les pauvres. C'est plutôt l'émotion. On se flatte d'être indigné ou insoumis. Je sais que je vais choquer certains d'entre vous, certainement, mais je l'ai prévenu, je l'ai dit, je suis là pour ça. On répète à l'envi que l'économie réelle cède devant la finance, mais il ne vient à l'idée de personne, par exemple, de développer le concept d'économie irréelle. Pour souligner que l'on est ici confronté non pas seulement à un problème d'injustice ou d'inéquité, mais aussi, et de façon bien plus déterminante, à une véritable explosion de non-sens, d'absurdité. On marche sur la tête. De même, quand on ne cesse de rappeler l'immense pouvoir des patrons des GAFA, non seulement en termes d'argent, mais en termes de capacité à façonner les consciences et le débat public, et là je fais évidemment allusion aux réseaux sociaux, c'est encore le plus souvent sous le registre de l'émotion, et en oubliant que sans cette obsession de l'intelligence artificielle, le capitalisme ne serait rien ou pas grand-chose. D'après ses défenseurs, ce qui fait l'efficacité du capitalisme, c'est sa capacité à s'auto-réguler et c'est sa réactivité. Or, tout le monde le sait, dès lors qu'il s'agit de passer un ordre, je parle d'un ordre financier, un algorithme est considérablement plus réactif que le plus vif des cerveaux. Il se trouve que les algorithmes ont été introduits en économie parce que, bien avant les ordinateurs, on a pris l'habitude de penser l'économie en termes de modélisation. Modélisation portant sur la fameuse efficience des marchés. Or, qu'est-ce que la modélisation, si ce n'est avant tout une technique ? J'ai bien conscience de formuler les choses là comme des évidences. Pourquoi alors la technocritique, ne s'impose-t-elle pas comme le type de critique le plus approprié du monde contemporain ? Parce que ce qui domine le débat public, c'est un préjugé énorme, monumental, je dirais même une véritable tragédie, l'idée que les techniques sont quelque chose de neutre et que tout dépend de l'usage qu'on en fait. Il est évident que l'idéologie capitaliste et l'idéologie technicienne sont liées. Il est évident que sans capitalisation, sans accumulation de capital, sans investissement massif, on ne pourrait concevoir et produire la moindre puce électronique. Il me semble tout aussi évident que si l'on produit autant de puces électroniques, c'est avant tout parce que le monde entier, et pas seulement nos chers décideurs, est engagé dans une gigantesque et phénoménale course à l'efficience. Et c'est ici l'occasion pour moi de rappeler la définition que Jacques Ellul donne de la technique en 1954, dans un livre au titre éloquent, La technique ou l'enjeu du siècle. Il dit, je le cite, que la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps est de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. Certes,
La critique de l'idéologie technicienne et celle de l'idéologie capitaliste doivent être conciliées, je l'ai dit, je le répète, menées de concert, ça me semble même un impératif. Mais il convient de savoir en quels termes ces idéologies se combinent. Pour ma part, s'il est un postulat sur lequel il convient de mener le débat technocritique, c'est une prise de position personnelle, c'est celui que je vous soumets à présent. L'idéologie technicienne détermine, façonne l'idéologie capitaliste. Ce que j'entends mettre en débat ici, maintenant, c'est l'idée que le premier pas vers la constitution d'une communauté technocritique, communauté, je le répète, communauté de pensée, passe par l'adhésion à ce postulat. L'adhésion. Pour être clair au maximum, je reformulerai les choses d'une autre manière. À force d'avoir développé les processus d'automation, et nous évoluons à présent dans l'ère du deep learning, de l'apprentissage, profond. La technique devient sans cesse davantage un processus autonome, ne répondant plus au moindre contrôle. On n'arrête pas le progrès, car on en est foutrement incapable. Première condition préalable à la constitution d'une communauté technocritique, donc l'affirmation commune, haut et fort, du primat de l'idéologie technicienne sur l'idéologie capitaliste. Or, ce qui me semble faire obstacle à cette première prise de position, c'est deux autres obstacles qui sont, à mes yeux, indissociablement liés. D'une part, la difficulté à penser globalement la technique, d'autre part à concevoir la technique comme un processus idéologique s'inscrivant dans le temps long. Alors, j'aborde d'abord le premier point. On a trop souvent l'habitude, y compris dans le milieu technocritique, d'approcher la technique comme la simple somme des techniques et à ne voir dans celle-ci que des moyens matériels, les machines, les nouvelles technologies, permettant de servir des objectifs, des finalités. Mais c'est là oublier que les techniques ne sont pas que des objets, mais aussi des méthodes. Et j'évoquais tout à l'heure la publicité, mais je pense aussi à la division du travail, mais la liste est longue. Quand je pense par exemple à Eric Sadin, quand il s'imagine que le numérique et l'enjeu du siècle, excusez-moi, je fais de la provocation, Eric Sadin sera là, je dirais la même chose. Hein. Quand il dit que le numérique est l'enjeu du siècle, le 21e, il témoigne, à mon sens, d'une vision extrêmement réductrice du problème. Ce qui empêche également l'approche globale de la technique, c'est la difficulté à démontrer ou à souligner qu'il est vain de considérer encore la technique comme un moyen d'atteindre une finalité. Elle constitue bel et bien la finalité des finalités. Les innombrables couplets sur le progrès, l'innovation, le changement, enfin, tous ces mots, vous les connaissez, ne le soulignent que trop. Troisième aspect de cette difficulté à penser globalement la technique, et non des moindres, c'est d'une part la difficulté à concevoir la technique comme un milieu ambiant. Alors, la technique comme milieu ambiant, ce concept-là, on le doit à George Friedman, en 1966, dans un très beau livre, « Cette étude sur l'homme et la technique ». Et d'autre part, la difficulté à admettre qu'il est dans la nature de l'homme, je pèse mes mots, dans la nature de l'homme, de sacraliser toujours son milieu. Il sacralisait la nature, qu'à cela ne tienne. La technique est devenue son milieu ambiant. C'est désormais la technique qu'il sacralise. C'est par la technique qu'il a désacralisé la nature et désormais, il reporte le sentiment du sacré, son sacré, sur la technique. Alors, je voudrais citer, quand je dis ça, je vais là aussi donner la citation exacte, c'est Jacques Ellul qui la donne dans un livre qui s'appelle « Les nouveaux possédés », il se trouve là au stand. Je vous la cite, c'est « Ce n'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré transféré à la technique
qui nous empêche d'exercer notre esprit critique pour servir au développement humain. C'est important, parce qu'on oublie souvent la deuxième partie de la phrase. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, c'est le sacré transféré à la technique qui nous empêche d'exercer notre esprit critique sur le développement humain. Voilà, ça, il y a matière à réflexion. Alors, mille fois, je me suis confronté. Alors, je précise que dans le cadre de l'association Technologos, j'ai organisé pas mal de débats publics comme ce soir. Et mille fois, je me suis confronté à ce préjugé. Sacraliser, c'est adorer, se prosterner religieusement. Mais c'est pas ça du tout, sacraliser. Je n'ai jamais rencontré un technophile s'agenouiller devant un ordinateur. En revanche, maintes fois, comme nous tous, ici j'imagine, j'ai observé dans mon entourage cette tendance à paniquer quand son portable n'a plus de batterie, a fortiori quand on ne met plus la main dessus. Je ne me risquerai pas ici à développer le concept de sacré à la technique plus que je ne l'ai fait. C'est vraiment un gros dossier. Je me contenterai de souligner une tendance générale à surestimer la technique, à la considérer comme indispensable, vitale. Et je soulignerai la nécessité de se pencher sur cette question sereinement, profondément, radicalement, c'est-à-dire à la racine. J'en viens à présenter le deuxième point. La difficulté à penser la technique sur le temps long. Alors, il a été question tout à l'heure avec Paul Jorion d'anthropologie. C'est un peu ça, en fait. Hein. C'est plus qu'un regard sociologique, c'est un regard anthropologique sur le temps long. Dans le meilleur des cas, on fait coïncider la naissance de l'idéologie technicienne avec l'apparition du processus d'industrialisation au XVIIIe siècle. C'est du reste le réflexe des Lulles, d'ailleurs, lui-même, dans Métamorphose du bourgeois, en 67. Des études approfondies en histoire de l'art que j'ai mené personnellement, m'incite à situer l'origine du problème au XVe siècle, à Florence et dans les cités de Flandre, c'est-à-dire à l'endroit même et au moment même où se développe le capitalisme. On pourrait certainement remonter plus loin, aux Grecs et au mythe de Prométhée, voire carrément à la révolution néolithique. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, à l'épisode de la chute dans la Bible, quand Dieu congédie Adam et Ève, parce qu'ils ont goûté le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qu'il les envoie donc tous les deux sur le plancher des vaches. Alors, peu importe où on situe l'origine, les choses se font par paliers, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de toute manière de penser sur le temps long. On peut même s'accorder à dire que Alain Gras tenait un propos tout à l'heure, allait dans ce sens-là tout à l'heure, on peut dire que l'idéologie technicienne est consubstantielle à l'homme, ou qu'elle est latente, et qu'elle s'est développée au fil du temps, palier par palier. Quand je dis ça, je veux dire qu'il est impossible, alors ça, ça me paraît très important, il est impossible pour moi de s'improviser technocritique. On est obligé d'être cultivé, de se cultiver. C'est un travail d'assaise intellectuelle. Ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Je suis sur ces questions depuis plusieurs années, enfin, comme mes collègues ici, mais c'est vraiment indispensable. On ne peut pas faire ça comme ça. Il faut une véritable réflexion sur le temps long. Du moins en abordant conjointement des phénomènes, des faits sociaux, comme disait Weber, qui, à première vue, n'ont pas de rapport entre eux. Pour me faire l'écho des philosophes socratiques, c'est là toute la différence qu'il y a entre l'opinion, la doxa, et l'esprit critique, le logos. Je voudrais dire enfin que les deux points sont profondément liés. On ne peut saisir la question du sacré transféré à la technique qu'en se penchant de près sur l'évolution du processus technicien sur le temps long. Pour cela, il importe d'analyser de près le processus de sécularisation qui se met en place globalement en Europe à partir du XVe siècle et que l'on résume souvent sous le nom d'humanisme. Qu'est-ce que l'humanisme ? On ne peut donc faire l'économie d'une réflexion sur l'anthropocentrisme, tendance qui caractérise l'histoire de l'Occident et dont on trouve le point paroxystique au XIXe siècle, avec le concept nietzschéen de Dieu est mort. La seule prononciation du mot « Dieu » me suffit pour pointer l'ampleur du chantier et le gigantesque tabou qui gouverne notre époque, caractérisé par le matérialisme, dont je parlais tout à l'heure, et l'athéisme. Bernard Charbonneau, le grand complice des Lulles, disait « On est athée aujourd'hui comme on était chrétien autrefois. »
de naissance. Le plus grand enjeu de la pensée technocritique, à mon sens, c'est de vaincre les déterminismes liés à notre naissance. J'y vois, personnellement, la condition minimale à la concrétisation d'une communauté technocritique. Merci, Joël. Merci. Merci, Joël. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Célia. Célia Izoard, tu es journaliste, traductrice aussi d'un livre important de David Noble qui s'appelle Le progrès sans le peuple. Et tu as également édité un petit livre chez Agone sur la condition des ouvriers dans les usines Foxconn. Je conseille à tout le monde de lire. C'est un très bon livre, un livre dur, mais un livre nécessaire. Et je te laisse la parole. Donc du coup, il y a un petit peu plus de temps aussi. C'est vrai que l'absence de Fabrice permet un petit peu, mais pas forcément prendre des 35 minutes non plus ou 40 minutes, mais c'est bien. Donc si tu veux parler plus longtemps que tes 20 minutes, bien sûr, tu peux parler plus longtemps. C'est à toi. Alors, bonsoir. On m'entend là ? Pas trop. Ouais, c'est mieux. Donc... Donc les organisateurs, je vous remercie pour cette belle invitation, donc m'ont confié la tâche de parler de la dimension active, militante, de résistance à l'empire technologique et capitaliste. Vous avez bien réussi votre coup parce qu'on n'est vraiment pas d'accord. Mais en réalité, moi, ce que je vais vous livrer sera très très peu dans les définitions et dans les concepts et beaucoup plus dans l'expérience. Donc je ne tomberai pas dans ce piège et peut-être on débattra plus tard. Une des questions, donc moi ce serait pour apporter, donc répondre un petit peu à ces questions. Que fait-on déjà dans ce domaine? Que peut-on faire? Quel est le rapport de force? Et quels seraient nos alliés? Je vais parler de là où je me situe et vous comprendrez que c'est spécifique à là où je vis, avec qui je m'organise et le monde que je côtoie. Et que donc les réponses que je vais donner à ces questions seront nécessairement partielles et que vous aurez probablement beaucoup à compléter si on veut faire un tableau, une espèce d'état des lieux du rapport de force et de la tâche qui nous attend. Bien qu'il n'y ait pas forcément un consensus sur les constats. Le sentiment qui m'anime et les analyses qui m'animent quand je prends la parole ici, ça a été déjà un peu posé tout à l'heure, c'est le fait que l'informatisation de nos sociétés au cours des 40 dernières années a longtemps été vécue et présentée comme un dépassement du capitalisme industriel, alors qu'il en a accru de manière absolument spectaculaire la dimension prédatrice. Et qu'en réalité, nous avons assisté à une rénovation et à un réenchantement de l'économie capitaliste par le biais de ce qu'on appelle parfois la nouvelle économie, la start-up économie, et vous disiez tout à l'heure, François Jarige, le nouveau monde technique, et qui, sous les termes de société de l'information, de société du partage, d'économie immatérielle, a en réalité donné un coup d'accélérateur sans précédent aux tendances lourdes de ce système, c'est-à-dire... celle-là même que dénonçaient les mouvements de contestation des années 60 et 70, la marchandisation de la vie quotidienne, la pollution, la surexploitation des ressources, la spoliation des plus pauvres par les plus riches, pour faire simple. Et donc moi, je vais parler des résistances et des chantiers de résistance qui nous attendent par rapport à ce que j'appellerais, disons, les chantiers industriels de la décennie. C'est-à-dire ce qui vient compléter en fait ce qu'on appelle le numérique, qui a commencé avec les ordinateurs personnels, les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, et maintenant les objets connectés et bientôt les voitures connectées et autonomes. Mais d'abord, je dois répondre à une question qu'on m'a soumise. On m'a dit, mais pourquoi ne casse-t-on plus les machines aujourd'hui? Parce que je me suis occupée du mouvement ludite, j'ai traduit une histoire du mouvement ludite, et j'ai aussi été condamnée pour avoir cassé des machines. Et alors, une ébauche de réponse. P-
parce qu'une grande partie de la bataille a été perdue. C'est-à-dire que la bataille qui aurait permis d'appréhender tous ces objets dans une position d'extériorité a été perdue. Nous les avons incorporés, plus ou moins, avec des aménagements que chacun peut trouver, parfois de manière salutaire, parce qu'il faut se préserver. Mais globalement, voilà, c'est fait. Et donc maintenant, l'électronique constitue l'outillage de base de notre vie affective, professionnelle, administrative surtout. Et que on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le numérique, c'est un fait social total. Ce qui signifie qu'on peut le comparer à l'argent. C'est aussi compliqué aujourd'hui de briser, de casser à coups de marteau les objets sur lesquels on s'appuie pour communiquer, que ça l'est de brûler des billets de banque, même si on est contre l'argent à bien des égards. Mais ça veut dire que ça vaut la peine et que c'est absolument nécessaire de s'attaquer aux machines nuisibles à la communauté, comme disaient les ludites autour des années 1810 en Angleterre, quand elles ont encore cette dimension de nouveauté et d'extériorité relative. Et justement, nous avons beaucoup à faire. Alors, à partir de là, je vais dire des choses qui sont complètement antagonistes à ce que disait Jean-Baptiste Fressos tout à l'heure. Nous avons absolument à nous attaquer aux choses qui arrivent, c'est-à-dire à faire valoir une capacité salutaire d'interruption. Nous devons interrompre les processus en cours par rapport à toutes les échéances que nous avons citées, par rapport à la crise écologique globale. Et notre souci de liberté et notre capacité à résister. Tu parlais de la surveillance et c'est très important. Après, je veux bien revenir un instant sur le fait de casser les machines. Étant donné les risques et la faible diffusion de la critique que nous portons, sur la base, à mon avis, de certains consensus, et par rapport à l'ampleur de la propagande commerciale, il paraît difficile d'imaginer une stratégie politique publique qui serait fondée sur cette pratique. Ce qui n'exclut pas d'avoir cette pratique, mais de manière plus marginale. Donc, moi, je dirais que l'enjeu aujourd'hui, c'est de freiner au maximum l'extension du filet, la poursuite du déploiement de ces technologies ou de ces applications dans lesquelles nous sommes pris au quotidien. Et ces grands projets industriels que sont la robotisation, l'intelligence artificielle. En fait, ces notions-là se recoupent, finalement, l'intelligence artificielle. Si ce n'est pas justement le dernier gadget, mais quelque chose de beaucoup plus profond que ça, c'est parce que c'est la poursuite de l'informatisation, l'automatisation, et la poursuite d'un mouvement profond auquel on a donné un nouveau nom un peu charmant et largement propagandiste. Donc, l'intelligence artificielle, l'automatisation, la 5G, donc je m'attarderai sur la 5G, les véhicules autonomes, les véhicules connectés, et la relance de la conquête spatiale, sur laquelle je ne vais pas m'attarder pour le coup, mais j'avais envie de le citer. Notre tâche aussi, c'est en termes de propositions et pas seulement de critiques, on a un travail énorme à faire pour essayer de briser le monopole de la Silicon Valley, plus largement en fait des Silicon Valley, puisque c'est un modèle, mais il est incarné par beaucoup d'endroits et dans de très nombreux pays. Mais il y a un réel monopole de l'initiative de la proposition sociale. Récemment, il y a une nouvelle loi, donc la loi LOM sur les mobilités. Ben voilà, les propositions, elles viennent exclusivement de ce monde-là et on se retrouve avec des aberrations telles que les véhicules autonomes pour résoudre les problèmes écologiques des véhicules. Par exemple, je disais tout à l'heure, donc qui sont nos alliés? Alors, là encore, je vous propose un point de vue situé, mais j'ai envie de parler de cette chose assez extraordinaire qui s'est produite avant le mouvement des Gilets jaunes, qui est la révolte sur tout le territoire français contre les compteurs Linky. Et en fait, à cet égard, je pense qu'on peut remercier notre État d'avoir été, via la société Enedis, contrôlée par EDF, donc société publique en partie, d'avoir organisé cette révolte en rendant obligatoire ces nouveaux compteurs, ce qui n'était pas du tout nécessaire,
Et probablement, s'il n'avait pas été obligatoire, ce serait passé tranquillement, avec des arguments publicitaires. Bon, certains auraient refusé, mais à la marge, etc. Mais là, au contraire, on a eu, et on a toujours, une véritable fronde assez, assez spectaculaire et assez inattendue. Et en fait, le compteur Linky s'est révélé pour la question de la critique et de la publicisation de la critique des technologies, des nouvelles technologies, un outil extraordinaire. Parce qu'il il cristallise, il a fait comprendre aux gens ce qui vaut aussi bien pour le smartphone, pour plein d'autres objets, pour la nouvelle vague d'informatisation dans leur travail, etc. C'est-à-dire, compteur Linky en l'espèce, un objet qui permet des licenciements, qui permet de restructurer la société Enedis, de supprimer des emplois de compteurs, de précariser ceux qui travaillent encore. Un objet extrêmement polluant fabriqué, beaucoup plus polluant que les compteurs qui précédaient, en raison du type de métaux, de la sophistication de ce type de technologie. Un objet dont l'obsolescence est très problématique, puisqu'ils sont appelés à durer beaucoup moins longtemps que les anciens compteurs. Un objet qui incite à la surconsommation, puisque c'est un moyen de créer à travers l'objet connecté qui est mis dans la maison, de remplacer tout l'électroménager avec des objets connectés, donc une nouvelle vague d'électroménager. Un objet qui est extrêmement polluant aussi du point de vue de la pollution électromagnétique à laquelle les gens sont plus ou moins sensibles. Un objet donc de haute technologie qui permet la surveillance pour faire du profilage marketing, le big data étant l'enjeu essentiel du compteur Linky, et aussi à terme une surveillance policière sur les domiciles, l'augmentation des factures d'électricité, ce qui a mis plein de gens en colère, puisque ça permet de mesurer très finement. Et voilà, donc la révolte contre les compteurs Linky, fantastique. On a à peu près 700 communes en France qui ont délibéré contre l'obligation de s'équiper en compteur Linky, et un nombre très important de foyers qui, de toute appartenance politique et sociale, très très variée, qui ne faisaient pas partie d'une communauté technocritique, et qui, malgré tout, refusent obstinément de prendre le nouveau compteur, alors qu'ils reçoivent des lettres de menaces, etc. Et il y a eu des stratégies d'action très très diverses, puisqu'il y a eu aussi il y a eu des pétitions, il y a des attaques en justice, il y a eu des organisations de quartier pour essayer d'aller chercher les poseurs de compteurs, etc. Mais aussi des incendies très spectaculaires, des véhicules Enedis et des mises à sac du siège d'Enedis, il me semble que c'était à Toulouse. Donc voilà, le PDG d'Enedis se vantait de ce que le compteur Linky est le premier objet connecté massivement diffusé sur le territoire français. Eh bien, le premier objet connecté massivement diffusé sur le territoire français a été assez massivement refusé. Très bonne nouvelle. Et à partir de là, ça change la donne. Aujourd'hui, en tout cas, là où je vis, les gens qui se sont mobilisés pour refuser les compteurs Linky et qui, à partir de là, pour certains, ont reçu leur première formation politique, sont tout à fait volontaires pour s'organiser contre le déploiement de la 5G, dans laquelle ils voient des travers et des dangers qui sont semblables, et voire bien pires, en fait, que ceux du compteur Linky. Donc un petit point sur ce grand chantier, la 5G... C'est long, là. La 5G, donc, il me semble que c'est l'infrastructure de base du monde numérique et de beaucoup d'autres projets. Donc, c'est quelque chose d'essentiel d'un point de vue tactique à affronter. Donc, c'est la cinquième génération d'antennes téléphonie mobile. Et en fait, l'usage, l'intérêt de la 5G, bon, ça nous est vendu comme la possibilité de télécharger beaucoup plus vite des films, etc. Le principal usage, c'est gérer le big data, puisque en fait, il y a un niveau de saturation. Et qu'évidemment, avec l'Internet des objets, si on commence à équiper chaque objet, à le faire communiquer avec son environnement, les objets, etc., il faut déployer un réseau beaucoup plus puissant. Peut-être que vous savez déjà tout ça.
Il est particulièrement dangereux et je vous recommande vivement la lecture de l'appel des scientifiques, l'appel international des scientifiques contre la 5G, publié par 180 scientifiques qui ont lancé l'alerte en disant qu'il faut absolument refuser son déploiement pour des raisons, eux qui mettent en avant, sanitaires. C'est-à-dire que eux, ils sonnent l'alarme sur le fait que on va avoir des rayonnements 10 à 100 fois plus puissants qu'aujourd'hui. C'est un réseau très très dense et beaucoup plus dense que les précédents. Enfin, pour fonctionner, il doit être beaucoup plus dense que les précédents. Donc on va avoir des antennes tous les 100 ou 300 mètres, c'est-à-dire un équipement assez massif. Et pour que rien ne soit épargné, pour compléter ce réseau, des satellites qui sont en train d'être fabriqués à toute vitesse et même lancés en basse orbite pour compléter le réseau 5G. Ces scientifiques écrivent donc dans leur appel, pas un animal sur Terre, pas un brin d'herbe n'échappera à ce rayonnement. Pour eux, c'est tester sur l'ensemble de la planète quelque chose d'extrêmement dangereux et d'utiliser l'ensemble de l'humanité, des êtres vivants sur la planète comme cobayes. Sur ces satellites, donc à peu près plus de 20 000 en tout cas, parce qu'il y a plusieurs constellations qui vont être lancées, et en ce moment, à Toulouse, il y a une unité spéciale chez Airbus qui produit 2 satellites par jour pour déployer la 5G. C'est la constellation OneWeb. Les premiers de ces satellites ont été envoyés depuis Kourou, il y a quelques semaines, et donc ça va continuer. Donc là, si vous vous renseignez un peu sur ce que implique la 5G, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent dessus en ce moment, c'est un enjeu très important. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, je parlais des compteurs Linky, ça va m'amener à faire un lien. À Albi, par exemple, près de là où j'habite, l'organisation contre les compteurs Linky a été très très efficace. Il y a 450 adhérents dans l'association. Ils se targuent d'avoir empêché un quart de la ville d'avoir des compteurs Linky. Et donc, par exemple, en avril dernier, ça nous a permis, avec des groupes de gilets jaunes du coin et les gens qui luttent contre les Linky, de faire une opération. Il y avait Cédric Villani, donc le député LRL. Le député Macron, En Marche, qui venait faire une grande conférence sur l'intelligence artificielle, parce qu'à Albi et dans la région toulousaine, comme partout ailleurs, on veut construire des centres de recherche en intelligence artificielle et des nouvelles pépinières de start-up. Et malheureusement, tout s'est très bien passé pour nous, et ce cloud d'opposants à la Start-up Nation a vraiment pu interrompre Cédric Villani. Et on diffusait des milliers de tracts dans la ville pour poser, enfin, sous forme d'une lettre de bienvenue à Cédric Villani, qui se terminait par le fait de l'enjoindre à rejoindre les rangs de l'écologie radicale, qui était au fond le secteur le plus porteur aujourd'hui avec l'anticapitalisme. Et dans cette ville ont été déployés plusieurs fois une banderole compteur Linky, 5G, véhicule autonome, c'est pas bientôt fini les conneries. Et donc l'intérêt de ce type d'action, outre de fédérer des entités qui ne militent pas forcément ensemble, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont très actives, était aussi d'envoyer un signal très fort aux investisseurs, puisqu'il y avait tout le milieu de l'entrepreneuriat, les milieux d'affaires tarnais, en disant nous allons vous mettre des bâtons dans les roues si vous voulez vraiment mettre mener ces projets à bien, c'est-à-dire construire de nouvelles plateformes, de nouveaux data centers, de nouveaux centres de recherche. Et bon, il y a aussi des occupations des directions d'Enedis aussi. Et j'ajouterais donc, pour parler un peu plus des gilets jaunes, que chez nous, comme probablement ailleurs en France, les groupes de gilets jaunes organisent beaucoup de réunions publiques et beaucoup de conférences sur des tas de sujets, sur l'éducation, sur tous les sujets de société actuels, et notamment de manière assez importante sur les nouvelles technologies et l'écologie, et mènent des actions contre la dématérialisation des services publics, le très mauvais terme de dématérialisation, vous savez, qui consiste à mettre des machines, et on est censé appeler ça dématérialisation.
et notamment des actions avec les salariés en grève, des impôts. Voilà, donc ça c'était pour citer un certain nombre d'alliés qui semblent importants et un certain nombre de pistes qui sont ouvertes aujourd'hui, même si par rapport évidemment au constat absolument tragique qu'on peut faire, c'est assez dérisoire. Autre type d'alliés, et dont certains évidemment sont ici, ce sont les ingénieurs et les chercheurs qui se révoltent, qui s'interrogent d'abord, qui se révoltent ou qui désertent. Et je voulais vous parler d'une autre action qui a eu lieu à Toulouse en décembre dernier, et c'était au Forum international de robotique agricole. Et là, donc, grand enjeu, évidemment, il faut robotiser toute l'agriculture et faire passer l'agriculture, pour résoudre le problème de la faim dans le monde, faire passer toute l'agriculture des pays les plus pauvres en agriculture 4.0. C'est-à-dire, par exemple, déployer la 4G ou la 5G dans les pays d'Afrique les plus reculés pour que les fermes deviennent connectées. Donc, on a eu des exposés très intéressants, des ingénieurs anglais qui se proposent de... La hands-free hectare, c'est donc un hectare sans les mains. On va cultiver sans jamais mettre le pied dans le champ. Donc c'est tout piloté à distance. Donc c'est vraiment la disparition des agriculteurs. Et donc ce grand forum international de robotique agricole a été interrompu. Et c'était d'ailleurs le moment où le PDG de Tracteur, John Deere, qui parlait des tracteurs autonomes qui commencent à déployer, a été interrompu par un groupe de paysans de tout le sud-ouest de la France. Et c'était une action intéressante parce que ces paysans, paysannes, éleveurs, éleveuses, boulangers, paysans boulangers, maraîchers, ont pris la parole et d'ailleurs ont réussi à imposer leur prise de parole avec beaucoup de brio pour expliquer, et c'était assez frappant, que la plupart d'entre eux étaient avant ingénieurs informaticiens, développeurs, développeuses. Donc il y avait un grand parterre d'étudiants et de jeunes ingénieurs dans la salle. Et ce qui leur a été dit, c'est l'un d'eux, par exemple, paysan boulanger, je m'adresse aux étudiants de l'ENSAT parce que j'étais parmi vous il y a quelques années et j'ai choisi précisément de déserter ce monde. Je vous lis un petit bout. Un éleveur de brebis qui fait partie notamment du collectif Faut pas pucer, donc qui lutte contre l'obligation d'identifier les brebis avec des puces électroniques. Je suis éleveur, j'ai trouvé dans mon quotidien, auprès de bêtes, quelques marges de liberté qui n'existent plus ailleurs. Avant ça, j'étais développeur dans une boîte d'informatique. Je vois bien de quoi on parle quand on se remet à des algorithmes, à des programmes, à des robots pour se simplifier la tâche. C'est exactement de cette artificialisation de nos vies dont j'ai voulu m'éloigner en quittant le monde des bureaux. Depuis un paquet d'années, les technocrates en charge des grandes orientations agricoles tentent, entre autres ingérences administratives, d'imposer des puces RFID aux oreilles de nos animaux. Malgré des sanctions administratives et financières répétées, nous refusons toujours d'électroniser nos bêtes. Pourtant, l'administration essaye aujourd'hui encore de nous faire plier en nous poursuivant au tribunal correctionnel. Comme nous l'avions soupçonné, l'électronisation de nos troupeaux n'était qu'une mise en bouche à cette agriculture augmentée, connectée, dont vous êtes de fervents adeptes. Nous ne venons donc pas pour nous élever contre les choix matériels ou techniques d'agriculteurs technophiles. La robotisation que vous proposez n'est qu'une fuite en avant supplémentaire vers une agriculture toujours plus productiviste et industrialisée, qui finira par éradiquer ce qu'il reste de paysannerie. Vous travaillez à notre disparition. Nous sommes là aujourd'hui pour vous empêcher de continuer à le faire impunément. Et pour moi, l'intérêt de ce type d'action est vraiment un intérêt pédagogique. Bon, certes, oui, là aussi, c'est d'envoyer un signal au monde industriel localement par rapport à ce qui est fait. La robotisation agricole étant réellement une spécialité de la région toulousaine. Mais c'est vraiment de se rendre audible et de rendre audible ces parcours aux jeunes ingénieurs ou chercheurs qui sont là. Et je pense que ça, c'est vraiment très important. Ensuite, j'avais envie de parler, et je vais terminer bientôt,
sans pouvoir les évoquer tous, des ingénieurs et des chercheurs qui résistent et qui organisent des formes de dissidence et de désertion. Et nous avons là Science citoyenne. Mais aussi à Toulouse, un groupe qui s'est créé en décembre de cette année, en fait directement impulsé et inspiré par la grève des lycéens pour le climat. Et ce groupe s'appelle l'ATECOPOL, l'atelier d'écologie politique, et il compte une soixantaine de chercheurs et chercheuses qui donc prennent position contre la fuite en avant technologique et veulent faire de l'écologie politique. Autre exemple, dans la constellation des ingénieurs sans frontières, Systext, avec qui, par le biais de la revue Z, dont je fais partie, nous avons beaucoup travaillé. Et je m'arrête sur Systext parce qu'ils font un travail très important. Outre le fait que... donc Systext, ce sont des ingénieurs miniers, des géologues miniers, en grande partie. C'est-à-dire des gens qui ont été formés pour travailler, faire fonctionner des mines. Et qui, aujourd'hui, évidemment, sont révoltés par l'impact des mines. Et la croissance et le dispositif prédateur que représente aujourd'hui le secteur minier. Je pourrais en parler longtemps. Donc, ils veulent visibiliser tous ces impacts et organiser, en quelque sorte, c'est ce qu'ils font, ils organisent la désertion des géologues, des ingénieurs, qui sont passionnés par leur travail, la géologie, mais qui en même temps, évidemment, veulent avoir un travail qui n'est pas nuisible socialement. Et évoquer Systext, pour terminer, ça me donne l'occasion de parler justement de cette question des mines. En fait, essayer d'interrompre ce qui se passe au niveau de la recherche, essayer de décourager, de faire entrer en dissidence tout un monde d'ingénieurs, c'est très important. Et ça fait partie de l'amont, c'est-à-dire ce qu'on peut faire avant que les nouvelles technologies dévastatrices nous tombent sur la figure. Mais il y a un autre amont, et c'est l'amont de la production, c'est le secteur minier. Le secteur minier, et bon, nous, avec Z, on a conclu qu'il y a des très bons éléments pour appuyer ça, c'est l'industrie la plus polluante au monde. Extrêmement vorace en eau, 80% des nouvelles mines aujourd'hui, c'est sur des territoires indigènes, c'est ce qui participe le plus vite à l'avancée du front. C'est vraiment ça qu'on voit, quoi. Un front qui avance et qui détruit des peuples autochtones, qui détruit les endroits où la biodiversité a été maintenue, qui détruisent l'avenir, quoi. Et donc, je pense qu'une stratégie importante pour dénoncer les nouvelles technologies qui aujourd'hui arrivent, ces grands chantiers dont je parlais tout à l'heure, la 5G, les véhicules autonomes, etc., c'est de les mettre systématiquement sur la place publique en rapport avec les ravages du secteur minier. Et ça, c'est très important, de faire connaître ça. Parce que le dispositif dans lequel nous nous trouvons, c'est un dispositif qui est fait pour invisibiliser ces ravages-là. De la même manière qu'il invisibilise la production d'électronique en elle-même très polluante et qui est fondée sur l'exploitation du travail. Donc, mettre en rapport tout ça. Par exemple, récemment, grâce à Systext, on a pu aller voir la plus grande mine d'argent d'Afrique, au Maroc. Et ça permet de se rendre compte. Donc là, il y a une résistance très intéressante, on pourrait en parler un peu plus tard. Un village berbère s'est organisé contre la mine. Ils ont créé un hameau pour bloquer les vannes du réservoir d'approvisionnement en eau de la mine. Parce que voilà, cette mine, en fait, les condamne à mourir de soif, plus ou moins. Et en tout cas, en regardant ça, on voit que, par exemple, les véhicules connectés et autonomes liés à l'électrification des véhicules, juste pour l'argent métal, feraient monter la demande de 148%. C'est des chiffres d'un institut de l'argent, le lobby des industriels de l'argent. Donc c'est des, enfin, à chaque fois, on a des chiffres comme ça qui sont très très importants. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Visibiliser le secteur minier, dénoncer les nouvelles technologies, en montrant ça, l'amont de la production. Pour finir, je dirais, et en même temps, comme il a été dit tout à l'heure, mais je pense que ça vaut la peine de le rappeler, tenir ensemble tous les aspects de la critique. Tenir ensemble, effectivement, la critique écologique, démontrer que le big data, par exemple, n'est pas tenable, ne serait-ce que d'un point de vue de consommation d'énergie, c'est pas tenable.
C'est pas possible. Rien que ça suffira à condamner ce projet. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'automatisation, la suppression des emplois et aussi la création de travail pourri. Et la surveillance. Voilà, et toutes les dimensions qu'on veut y mettre selon de quoi on parle. Merci beaucoup. Merci. Merci Célia. On va passer donc au troisième et dernier intervenant, Cédric. Cédric Biagini, donc tu es éditeur et principal animateur des éditions L'Échappée, qui est la maison d'édition, la plus grosse maison d'édition technocritique en France. Et je te laisse la parole, donc pour pareil, même règle du jeu, environ 20 minutes, mais tu peux déborder un petit peu puisque voilà, on a un petit peu plus de temps. Merci. Donc je vais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tous les deux, et puis notamment donc Célia, quand elle expliquait donc à la fin de son intervention qu'il était nécessaire d'attaquer, on va dire, le système technicien, d'attaquer comment le système capitaliste, d'attaquer ce système-là technolibéral, on pourrait le qualifier. Donc c'est vrai que ce sont des termes sur lesquels on pourra peut-être revenir tout à l'heure, hein, puisque Joël avait donc un petit peu lancé le débat là-dessus, mais en tout cas qu'il y avait différentes dimensions, qu'il s'agissait d'identifier, qu'il s'agissait de combattre, qu'il s'agissait aussi de réfléchir sur toutes ces questions-là. Donc moi, je vais parler d'une expérience à laquelle je suis très lié, hein, celle dont tu parlais à l'instant, qui sont les éditions L'Échappée. Donc on ne s'est jamais dit vraiment éditeur technocritique. Alors, parce que, déjà, on n'édite pas que des livres autour de ces thématiques-là, tout d'abord, mais aussi parce que c'est vrai qu'on n'a pas mené une réflexion sur la manière dont on pouvait qualifier, finalement, un milieu, une communauté, un mouvement, ça aussi, ça pourra peut-être faire l'objet de discussions, auxquelles, pourtant, on a le sentiment d'appartenir, mais pour lequel on n'a jamais vraiment, finalement, nous, en tout cas, je parle de L'Échappée, trouvé un terme. Et donc, c'est vrai que c'est la première fois, aujourd'hui, que je vais pouvoir nous définir comme éditeur, finalement, technocritique. Habituellement, on pouvait utiliser les termes anti-industriels. Hein, là aussi, on pourra revenir dessus. À un moment, on a pu aussi, puisqu'on a beaucoup travaillé sur cette question-là, j'y reviendrai, néoludite, hein, en référence au mouvement des ludites, dont on a parlé ce matin, que Célia a évoqué, on pourrait y revenir aussi. Tenant de l'écologie radicale, enfin voilà, différents termes, différentes expressions qu'on a pu utiliser, mais jamais vraiment le terme technocritique. Après, c'est vrai qu'on a édité beaucoup de livres sur cette question, hein, je vais y revenir. On a eu, il y a des gens qui l'ont fait avant nous, alors eux, je pense, ne se seraient pas non plus qualifiés de technocritiques, mais je pense aux éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, par exemple, que peut-être un certain nombre de gens parmi vous connaissent, hein, qui sont pour nous des grands précurseurs, hein, qui ont édité des livres très importants, des livres qui nous ont construits intellectuellement. Je pense à des livres de Bernard Charbonneau, à des livres de Gunther Anders, aux livres que les animateurs de la revue, comme Reim et Semprun lui-même écrivaient, qui ont été des livres très très marquants et qui nous ont vraiment constitués. Aujourd'hui, il existe d'autres éditeurs qu'on pourrait qualifier de technocritiques, même si je ne suis pas sûr que s'approprierait à ce terme-là. Je pense aux éditions La Lenteur, par exemple, qui éditent deux revues, hein, qui sont quand même très intéressantes et qui existent depuis un moment, Notes et morceaux choisis et L'Inventaire, qui font vivre aussi cet espace-là. Hein, une revue, on sait très bien que pour tous les mouvements, qu'ils soient politiques, intellectuels, littéraires, les différents courants, dans quelques domaines que ce soit, c'est toujours très, très comment, structurant. Je pense aussi à une autre maison d'édition comme Le Monde à l'envers, à des collections comme celle du Passager clandestin, Les précurseurs de la décroissance. On retrouve beaucoup de problématiques qu'on a pu aborder ici. Et chez un plus gros éditeur, la collection Anthropocène, hein, dont on a eu différents auteurs qui ont pu intervenir aujourd'hui et faire référence aussi à ce terme d'anthropocène. Donc voilà, je vais au travers des éditions L'Échappée vous parler de différentes manières qu'on a eu, nous, de faire une critique, hein, qui entre en résonance avec ce que disait Célia, c'est-à-dire qu'il faut attaquer sur différents plans, puisque le propre de ces nouvelles technologies, le propre de ce système technicien, c'est de nous toucher, hein, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, jusqu'à notre intimité, hein, pour moi même de complètement, finalement, nous transformer, hein, en profondeur, hein, jusque vraiment dans nos subjectivités, de toucher aussi tous les domaines de la société. Donc on sent que face à ça, et on a toujours du mal d'ailleurs quand on en débat, c'est une des raisons, c'est que ça embrasse tellement de dimensions, c'est un mouvement tellement puissant, un tel rouleau compresseur, qu'on a vraiment des difficultés. Ça dépasse notre entendement assez souvent, hein. Heureusement, des gens essaient de le penser, ce mouvement intellectuel continue, mais on est vraiment face à cette difficulté. Hein. Et d'un point de vue plus pratique, d'un point de vue des luttes, ça touche toutes les dimensions.
mais vraiment toutes les dimensions de notre existence. Et c'est là que c'est, je dirais, ce déferlement technologique, le déferlement technologique que l'on vit depuis quelques décennies, est quand même sans précédent, dans le sens où là, il y a une tentative pas seulement de changer nos savoir-faire, ça c'est vrai que le capitalisme industriel l'avait fait dès le 19e siècle, mais de changer complètement nos manières d'être. Et on le voit, c'est vrai, j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de certains livres, l'hypothèse que beaucoup de nos auteurs émettent et que je défends aussi, c'est que c'est vraiment une transformation profonde de l'être qui est en train d'opérer. Et avec des nouveaux types de personnalités qui sont en train d'émerger et qui elles-mêmes, du coup, évidemment, vont entraîner de nouvelles formes, de nouvelles modalités d'organisation, de nouvelles formes de société, bon, voilà, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Donc l'Échappée, on est une maison d'édition qui est née en 2005, que j'ai fondée avec Guillaume Carnino, qui est aussi quelqu'un qui, plus dans le champ universitaire aujourd'hui, pense la place de la science dans nos sociétés, notamment. Mais notre vraie naissance, pour moi, elle est en 2007. En 2007, en fait, on publie un livre qui s'appelle « La tyrannie technologique, une critique de la société numérique ». C'est un livre que nous avions en tête depuis un moment, que nous avions du mal à finaliser, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire nous étions face à quelque chose d'absolument énorme, qui était cette société numérique qui se profilait déjà, qui était déjà en construction en 2007, même si elle n'était pas aussi « avancée » entre guillemets qu'elle l'est aujourd'hui. Et nous avions assez peu, finalement, à l'époque, en 2007, en tout cas nous pensions avoir assez peu d'écrits, de pensées sur lesquelles nous appuyer pour émettre cette critique. Moi, j'avais été nourri par les réflexions de Philippe Breton, qui est quelqu'un qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup travaillé sur la société de la communication, qui a publié plusieurs livres assez majeurs et qui ont, moi, qui m'ont vraiment éclairé, qui m'ont fait vraiment comprendre ce qu'était cette société de l'information. Et il avait publié notamment un livre en 2000. C'est le seul livre qu'il ait fait vraiment qui traite de ce sujet-là, enfin, même si finalement tout ce qu'il a abordé avant le traitait d'une manière, je dirais, un peu plus indirecte. En 2000, il publie un livre qui s'appelle « Le culte de l'Internet » et qui est un des rares livres finalement sur la question numérique à proprement parler sur lesquels on a pu s'appuyer. Donc voilà, d'où l'importance en effet des écrits, de la pensée. Là, on a parlé de la lutte, on a parlé des actions. Moi, je vais un petit peu plus parler de ces questions-là, même si on va voir que finalement l'action va nourrir la réflexion et les réflexions vont aussi nourrir nombre d'actions. Tous les gens qui mènent qui mènent ses actions, ne viennent pas non plus de nulle part, sont des gens qui ont pu avoir certaines lectures qu'on a pu avoir nous-mêmes. Mais en tout cas, à l'époque, assez peu, finalement, on avait assez peu de connaissances de ces penseurs, de critiques de la technique. On connaissait Jacques Ellul, mais qui, à l'époque, était peut-être un peu moins connu qu'il l'était maintenant. C'était peut-être une phase de creux. D'ailleurs, beaucoup de ses livres étaient indisponibles. Et puis, finalement, beaucoup d'autres gens, à part peut-être Gunther Anders, un ou deux livres, beaucoup d'autres gens qui ont été réédités, traduits depuis. Donc on voit quand même que par rapport à cette technocritique dont on parle ici, il se joue des choses quand même depuis, on va dire, une décennie, puisque beaucoup de gens ont été traduits, réédités, redécouverts. On a participé, nous aussi, l'Échappée, à ce mouvement. Mais en tout cas, on avait assez peu de gens sur qui s'appuyer. C'est pour ça qu'on avait fait une introduction sous une forme d'un manifeste, qui nous paraît aujourd'hui, quand on la relit, peut-être un peu puéril, en tout cas très énergique, très exalté, puisqu'on avait finalement essayé de penser cette société numérique à partir finalement de très peu de réflexions qui nous étaient extérieures, et on l'avait nourri d'une forme quelque part de rage qu'on avait. Ce qui fait que des gens, qu'on est beaucoup intervenus pour présenter ce livre, nous disaient « Voilà votre introduction, on a l'impression que c'est une espèce de manifeste contre la société numérique ». On ne l'avait pas pensé directement comme ça, mais de fait, finalement, ça l'est devenu. Alors depuis, on a publié beaucoup de choses qui nous ont permis de nourrir, nos réflexions, et qui ont nourri la réflexion d'autres mouvements, d'autres gens. Aussi, quand on a publié ce livre qui s'appelle « La tyrannie technologique », donc le terme est quand même très fort, on avait un petit peu peur de notre titre nous-mêmes, on trouvait que qu'il décrivait très bien ce dont on voulait parler, mais on se disait, associer ces deux termes, « tyrannie » et technologie, est-ce que ça ne va pas être perçu comme quelque chose de proprement délirant, on se disait, est-ce qu'on ne va pas passer pour des gens délirants? D'autant que nous étions très inscrits dans les milieux, on va dire, subversifs, des milieux plus précisément libertaires, qui avaient, et qui ont toujours, pour une bonne part, même si peut-être que c'est un petit peu changé depuis, on pourra peut-être en débattre, qui regardaient d'une manière très bienveillante le développement de ces nouvelles technologies. Bienveillante parce que, très pratiquement, elles facilitaient leur militance, voie de compte-rendu, échanges, débats, etc. En tout cas, dans un premier temps, c'est l'impression qu'elles pouvaient donner, en tout cas. Et pour les plus exaltés, et il y en avait beaucoup, ils pensaient que les nouvelles technologies étaient l'avènement d'un monde nouveau
qui allait nous permettre de briser les hiérarchies, les institutions, l'autorité, pour arriver à une société beaucoup plus égalitaire, qui fonctionne sur un mode, sur le mode de l'horizontalité, que l'on avait pouvoir choisir comme on le voulait finalement nos relations, et en fait finalement nous affranchir du réel, des pesanteurs du réel, nous affranchir de nos communautés héritées pour pouvoir finalement être beaucoup plus libres et être émancipés. Donc on évoluait un petit peu dans ce monde-là, et donc on était assez finalement mal à l'aise et à la fois quand même excité de jeter ce pavé dans la mare. Et donc voilà, ce livre, je m'arrête un petit peu sur ce livre parce qu'il a été assez fondateur pour nous, d'autant qu'on a été plusieurs à l'écrire, et que voilà, Célia était partie prenante de l'aventure. Elle a écrit un texte dans ce livre. Pièces et main-d'œuvre aussi, c'est là que nous on a été amené à connaître pièces et main-d'œuvre. Donc pièces et main-d'œuvre, je tiens à en parler, puisque si on parle de technocritique, je ne sais pas si eux s'approprient à ce terme non plus, mais peu importe, ce sont des gens qui mènent depuis le début des années 2000 un combat sur ces questions à la fois intellectuel, militant et de mobilisation très important, combat constant, et qui ont déterminé c'était la technologie qui était un problème et pas ses dérives, quel était le fait majeur du capitalisme contemporain. Et ça, ils l'ont affirmé dès leur texte de présentation, dès leur manifeste. Ils ont présenté ça et ils n'ont cessé de travailler cette question, là aussi sur différents plans, en faisant des enquêtes. Ça, c'est une dimension qui est importante. Ils ne sont pas les seuls à en faire, mais c'est vrai qu'ils ont fait des enquêtes poussées, des enquêtes qui ont marqué, des enquêtes qui ont permis des mobilisations. Je pense par exemple à ce qu'ils ont pu faire sur la question des puces RFID et des nanotechnologies. Ce sont quand même des gens qui ont là mené des combats, dont certains ont eu quand même un certain nombre de résultats. Je pense à la grande... comment on appelait ça? La grande... Minatech, par exemple, les grandes consultations aussi nationales qu'il y avait eu sur les nanotechnologies, ils ont réussi à mobiliser dans chacune des villes, je crois qu'il y en avait quand même un certain nombre. Voilà, ce sont des gens qui ont mené un combat important, donc ils font vraiment partie, je dirais, de ce milieu, autant parce qu'ils ont apporté sur le plan intellectuel que ce qu'ils ont apporté sur le plan des mobilisations. Ils ont dirigé à l'échappée de 2008 à 2013 une collection qui porte le nom de Négatif. Là aussi, c'est assez intéressant de voir quel choix ils ont fait. Et ils ont publié des livres donc, comme Le téléphone portable, gadget de destruction massive, Terreur et possession, Aujourd'hui le nanomonde, RFID la police totale, Un siècle de progrès sans merci, qui a été écrit par Jean Druon, qui est un documentariste, qui a réalisé un film qu'on avait beaucoup vu, qui avait beaucoup circulé dans les milieux anti-industriels, qui est Alerte à Babylone. Il a fait d'autres choses depuis, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure. Ils avaient aussi publié dans leur collection L'Enfer Vert, qui est un livre de Tom Joe. Donc Tom Joe, voilà, je le cite parce que c'est aussi quelqu'un qui, dans le nord de la France, qui est quelqu'un de vraiment ancré dans le nord de la France, anime beaucoup de mobilisations sur toutes les thématiques dont on a pu parler, dont Célia, voilà, auxquelles tu as pu faire référence, et qui anime une revue qui s'appelle Hors-Sol. Donc voilà un petit peu des gens de cette galaxie technocritique. Si on veut, je vais essayer d'en faire un petit état des lieux en partant du prisme de l'échappée, donc il sera sûrement partiel et partial, mais il nous permet quand même de voir un petit peu ce qui s'est dessiné ces 10 dernières années. Célia faisait aussi partie d'un groupe qui a disparu depuis, mais qui a eu certaines émanations, qui était le groupe Oblomov, qui était né en 2004, dont on a publié un livre qui s'appelle Un futur sans avenir, en 2009, qui avait pour sous-titre « Pourquoi il ne faut pas sauver la recherche scientifique ?» Donc un livre qui appelait à établir les liens encore possibles entre toutes les personnes qui, issues ou non du milieu scientifique, entendent résister en acte à l'avancée de la technoscience. Donc là, on voit qu'on était il y a une dizaine d'années, qu'on voit voilà, dans ton intervention, on voit qu'il y a vraiment une poursuite de cette réflexion et de cette mise en action, puisque tu disais même qu'un certain nombre de chercheurs, de jeunes chercheurs, d'étudiants avaient déserté les écoles ou déserté ces industries. On a eu aussi la volonté à l'échapper, puisque évidemment c'est très important de regarder d'où on vient, de se pencher sur le passé, de nourrir nos réflexions. François Jarry, je l'ai un petit peu fait ce matin. Donc ce retour sur nos prédécesseurs, on l'a fait au travers de différents livres. Bon, vous en entendez un petit peu parler aujourd'hui, parce que c'est vraiment, je pense, pour tous ces mouvements, quelque chose de fondateur, c'est La révolte ludite. Donc on a publié un livre à ce sujet, c'est pas le seul, il y en a 3-4 qui existent. Celui-ci est écrit par Kirkpatrick Sale, qui est un grand critique américain de la société industrielle, qui a souvent été qualifié dans son pays de néoludite, puisqu'il a porté un discours très fort outre-Atlantique
contre les nouvelles technologies. Il a même symboliquement, publiquement cassé un ordinateur, donc il a été qualifié très rapidement de néoludite. Donc ce livre a été traduit par Célia. On y revient. Donc vraiment mouvement fondateur. Donc je ne vais pas reparler des ludites, hein, François Jarry, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure. On a aussi, on s'est dit, mais on parle beaucoup de ces Anglais, hein, de ces mobilisations qui ont eu lieu dans la première moitié du 19e siècle en Angleterre. Mais est-ce qu'en France, on a des mouvements équivalents ? François Jarry, une nouvelle fois, puisque c'est vraiment une référence sur le sujet, en a un petit peu parlé ce matin. Et avec lui, on a publié un livre qui s'appelle « Les ludites en France, sur l'histoire des résistances à l'industrialisation et à l'informatisation ». Donc, y ont participé différents auteurs hein, qui vont montrer comment des gens, par le passé et jusqu'à encore récemment, et c'est encore le cas aujourd'hui, ont pu finalement tenter d'arrêter le progrès. Donc, y ont participé Guillaume Carninot, que je citais tout à l'heure, François Jarige, Christophe Bonneuil, donc qui est quelqu'un qui anime les éditions Anthropocène au Seuil, Célia donc, et moi-même. Et Célia a travaillé notamment sur l'informatisation et les résistances à l'informatisation dans la région toulousaine hein, à la fin des années 70, hein, avec là aussi des bris de machines et des destructions de serveurs informatiques. Autre mouvement intéressant dont on a essayé de rendre compte, c'est le mouvement Survivre et Vivre. Hein, donc je ne sais pas si, voilà, si ça vous dit quelque chose. En tout cas, ça a été un mouvement au départ de scientifiques critiques qui se sont rassemblés autour d'un grand mathématicien, hein, des plus grandes sommités mondiales des mathématiques, qui était Alexandre Grothendieck. Donc un certain nombre de scientifiques se sont réunis autour de lui pour tout d'abord dénoncer la militarisation de la recherche et l'orientation mortifère du développement. Donc ils ont fondé une revue, des mouvements un petit peu partout en France. Et on peut dire qu'ils sont rapidement devenus le fer de lance d'une fronde anti-scientiste. Hein, ils pouvaient se qualifier d'objecteurs de recherche, hein, donc des gens qui sont en rupture, des repentis, on pourrait dire, de la technoscience, et qu'on peut aussi considérer hein, comme des acteurs de premier plan dans l'émergence du mouvement écologiste français. Donc ce mouvement Survivre et Vivre, Céline Pessy, donc, qui a travaillé d'un point de vue académique sur eux, voilà, nous a fait l'honneur de publier donc, son travail de recherche chez nous, et on a fait une anthologie donc, de cette revue Survivre et Vivre, dans laquelle on retrouve finalement un certain nombre de thématiques hein, qu'on peut aborder ici, et notamment ces questions autour de l'écologie qui sont vraiment centrales dans le mouvement. Donc voilà un petit peu pour les mouvements de lutte sur lesquels on a essayé de revenir, auxquels on s'est référé. On a essayé aussi de se nourrir et de pouvoir nourrir notre lectorat en termes de penseurs hein, qui pouvaient là aussi nous aider à penser ce monde hein, qui est si difficile aujourd'hui à appréhender. Donc on a publié en 2013 Radicalité où on présente les pensées donc, de différents intellectuels qui portent un regard donc, très critique sur la rationalisation, l'artificialisation, la technicisation, l'artificialisation du monde. Donc des gens que j'ai déjà cités, comme Gunther Anders, hein, qui est vraiment, je pense, un auteur fondamental, Bernard Charbonneau, hein, ami d'Ellul, et là aussi peut-être un peu plus en retrait par rapport à Jacques Ellul, mais quelqu'un aussi de très très intéressant. Des gens, bon, Jacques Ellul évidemment, Ivan Illich aussi, Christopher Lasch, Simone Veil, des gens actuels comme Danny Robert Dufour, des gens comme aussi Lewis Mumford, penseur américain très important, ou des gens ici qui ont fait une critique du développement, finalement, qui se rapproche beaucoup des réflexions qu'on peut mener par ailleurs, qui était François Partant. Donc voilà un livre publié en 2013. Dans la même veine, on a publié un autre livre qui s'appelle « Aux origines de la décroissance ». Donc je ne vais pas vous refaire, je vais vous faire grâce de la liste de tous les penseurs, parce que là, il y en a une cinquantaine, qui là aussi, hein, je vous dis, rejoignent beaucoup nos préoccupations et font pour la plupart une critique aussi du système technicien. Mais je tiens à signaler que c'est un livre que j'ai coordonné avec Pierre Thiesset, qui dirige une collection à l'échappée qui s'appelle Le Pas de Côté. Donc Pierre Thiesset, c'est un journaliste qui participe au journal La Décroissance, au mensuel, hein, donc un mensuel qui s'appelle La Décroissance, donc qui paraît toujours hein, depuis un moment, et qui est aussi un lieu très important, puisque c'est quand même un des rares, voire le seul journal disponible en kiosque, qui peut aborder aussi d'un point de vue très critique, on va dire très radical, au sens où tu l'as défini tout à l'heure, les questions de l'écologie, les questions de la technologie. Donc là, Pierre est très actif au sein de ce journal. Donc dans cette galaxie, on va dire technocritique, je pense que La Décroissance, hein, qui a un public peut-être plus large que ce qu'on peut avoir par ailleurs sur un certain nombre de nos publications, joue un rôle important. Et donc Pierre Thiesset, dans sa collection À l'échappée, a aussi publié Tolstoï. Et là aussi, on voit que par rapport à cette critique du progrès
qu'il a pu mener par rapport à ce qui allait devenir hein, le parti bolchevique et l'URSS par la suite est d'une grande est très précieuse et d'une grande pertinence. On a aussi publié un livre de Bernard Charbonneau, Le totalitarisme industriel, hein, qui est un recueil de textes qui publiait, là aussi, hein, si on veut revenir un petit peu à des précurseurs, à des gens auxquels on peut se référer, qui publiait notamment dans un journal écolo qui s'appelait La Gueule ouverte. Donc voilà aussi une manière un petit peu hein, de se réapproprier ce passé, de se nourrir et de voir que tous les mouvements qu'on essaie de faire vivre aujourd'hui, toutes les pensées qu'on essaie de faire vivre ne viennent pas de nulle part, hein, sont antérieures et en revanche il y a nécessité, notamment sur la question du numérique sur lequel je vais revenir, à penser peut-être les choses de manière un peu plus spécifique. Donc voilà, donc c'est pour ça que L'Échappée a développé un certain nombre de livres sur la question du numérique qui l'abordent sous différents angles. Bon, j'ai publié en 2012 un livre qui s'appelle L'emprise numérique. Fabrice Flippo, qui devait être ici, a fait un livre qui s'appelle La fâche cachée du numérique, qui est très proche finalement de toutes les réflexions qui ont été menées aujourd'hui, puisqu'il va aborder vraiment la question avec donc un collectif hein, de chercheurs qui ont publié un rapport hein, sur les dégâts, les ravages environnementaux causés par les nouvelles technologies. Donc là, je ne vais pas y revenir parce que ça a été vraiment largement abordé. On a aussi Marc Perelman, qui réfléchit beaucoup à ces questions depuis un moment, qui a pris un objet sur lequel il avait déjà travaillé, qui est le stade. Hein, le stade. Donc il avait déjà fait mener une réflexion là-dessus dans un livre qui s'appelle Le Stade Barbare. Et là, il a écrit un livre qui s'appelle Smart Stadium, où il va essayer de penser comment le stade a complètement intégré ces technologies pour faire vivre, tel que voilà, les gens qui sont acteurs de ce mouvement le définissent, une expérience totale. Et il va mener une réflexion par rapport à ça, du stade, donc grâce aux nouvelles technologies. Nous allons publier un livre important à la rentrée qui va s'appeler Les ravages des écrans, donc qui est un livre de Manfred Spitzer, qui est un psychiatre allemand, une sommité, quelqu'un d'important qui dirige une clinique. Hein, c'est pas voilà, quelqu'un qui déboule comme ça, c'est quelqu'un qui est vraiment une référence et qui, en Allemagne, et un petit peu un chef de file, on va dire, de la lutte et de la prise de conscience sur les dégâts psychiques et physiques occasionnés par l'usage massif des écrans. Donc il va parler des nouvelles formes de dépression, il va parler du stress, il va parler des troubles de l'attention, de la concentration. Enfin, il va finalement aborder avec son œil de psychiatre, en se fondant sur des centaines d'études hein, qui ont été menées de par le monde, la manière dont les écrans, les nouvelles technologies détruisent nos manières d'être, nous plongent dans des formes d'instabilité, créent des individus finalement ouverts à tout mais incapables de se concentrer sur rien, de plus en plus qui versent de plus en plus vers l'extériorité, une forme d'extériorité numérique, mais finalement vident complètement leur intériorité. Enfin voilà, il va aborder toutes ces questions-là avec son point de vue de psychiatre. Donc c'est un livre qui a été, vous doutez bien, qui a été vraiment une petite bombe en Allemagne, hein, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, qui a occasionné beaucoup de débats, qui a été évidemment très critiqué, très contesté. Hein, Manfred Spitzer est quelqu'un de très combatif. Bon, et puis il peut se le permettre, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, comme je vous le disais, qui est une référence, mais il a mené vraiment le combat voilà, en Allemagne sur cette question-là. Et en France, en fait, on se rend compte, et moi je suis amené, voilà, lors de différentes interventions, à rencontrer notamment un certain nombre de professionnels de l'enfance, qui soient enseignants, qui soient psychologues, pédiatres ou tout simplement des parents qui vont voilà, me questionner de ce point de vue-là. Hein, est-ce qu'il existe des choses sur lesquelles on peut s'appuyer ou des études? Donc il y a un collectif en France qui s'appelle Le Cause, un collectif contre la surexposition des enfants aux écrans, qui regroupe un certain nombre de professionnels hein, qui ont publié des choses, qui ont publié essentiellement des textes, qui ont fait des tribunes dans le monde. Et on a vu d'ailleurs, bon là je le signale juste parce que ça, on pourra peut-être revenir là-dessus lors de la discussion, mais qui ont vraiment jeté un pavé dans la mare et de manière très argumentée, puisque c'était des professionnels qui s'appuyaient vraiment sur ce qu'elles voyaient hein, dans leur cabinet d'orthophoniste, dans leur cabinet de psychologue, etc. Et qui ont tenu un discours très fort, très puissant, je pense notamment à Annelise Ducanda, mais c'est pas la seule, et qui ont été exposés de manière, je dirais, très très virulente hein, à un flot de critiques, voire même certains de leurs débats annulés, certaines de leurs interventions dans les médias aussi, qui montrent qu'elles avaient quand même touché très très juste, et notamment que ce prisme, notamment de l'enfance et des dégâts occasionnés par les nouvelles technologies sur les enfants et les adolescents, était un sujet
extrêmement sensible pour les industriels de la Silicon Valley du numérique. Bon, ça, je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose d'assez déterminant. Et donc, quand on parle un petit peu des angles d'attaque, je pense que c'est un angle d'attaque très, très important, puisque les ravages des écrans, tel qu'on a appelé le livre, je pense que pour les gens qui fréquentent les salles de classe, qui ont peut-être des enfants ou qui sont amenés à avoir des enfants autour d'eux, quand je parle de transformation profonde de l'être, incapacité à se concentrer, état de surexcitation, etc., etc., ce sont des effets, je dirais, qui sont tangibles, que l'on voit immédiatement. On a aussi publié, parce que le débat et le mouvement technocritique qu'on peut appeler de nos voeux revêt différentes dimensions, on a publié Éric Sadin, donc qui est quelqu'un qui a peut-être un discours qui pourrait paraître moins radical que ce que d'autres penseurs que j'ai cités ou d'autres gens ici peuvent tenir, mais qui a quand même porté à un niveau qu'on était incapable d'atteindre, le débat sur le numérique, notamment, je pense, dans les médias, dans un certain nombre de conférences, et on a publié 4 livres de lui, donc L'humanité augmentée, La vie algorithmique, La silicolonisation du monde, où là, il va très très bien définir, au travers de ce néologisme, silicolonisation, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire c'est le fantasme, le rêve de Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est un territoire, c'est un espace, ce serait très intéressant d'ailleurs de se pencher, mais on n'a pas le temps dessus, mais c'est aussi un rêve, un fantasme que beaucoup de nos élus souhaitent dans leur territoire, et notamment les territoires peut-être les plus sinistrés, de reproduire. Hein. C'est une espèce de nouveau mirage, hein, de nouvelle, sinon quelque part, Grand Ouest américain, c'est pas pour rien que ça se situe là-bas, hein, une terre à explorer qui fait beaucoup fantasmer. Donc il a aussi publié L'intelligence artificielle ou L'enjeu du siècle. Donc voilà, je m'arrête là un petit peu pour les différents Français. On a aussi publié des Américains, puisque là aussi, tout à l'heure, on posait la question, est-ce que le terme technocritique est utilisé ailleurs? Là, je ne pourrais pas y répondre, mais en tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un certain nombre de gens, sûrement beaucoup plus que ceux qu'on a publiés, mais en tout cas, on en a publié quelques-uns que je vais citer, qui, là aussi, mènent un travail assez exemplaire sur ces questions, avec des approches, des sensibilités différentes des nôtres. Je pense à quelqu'un comme Sherry Turkle, par exemple, une anthropologue américaine, avec son livre « Seul ensemble », qui a vraiment travaillé sur la manière, et là, en s'appuyant sur les enquêtes, dont les nouvelles technologies ont redessiné le paysage de nos vies affectives et notre intimité. Je pense à Nicolas Carr avec Remplacer l'humain, donc un livre important sur l'automatisation de la société, Marc O'Connell sur les transhumanistes, et là on va publier Neil Postman, un livre qui s'appellera Technopoly, comment la technologie détruit la culture, et c'est un projet qui nous a été apporté, et là aussi quand on parle de circulation, des idées, d'échanges, de communautés ou de mouvements technocritiques, c'est un projet qui nous a été amené par des membres de l'association Technologos, hein, qui l'ont traduit. Après, juste pour terminer, il y a trois domaines qui nous paraissent assez importants, sur lesquels ça nous paraît assez important de réfléchir et sur lesquels on a essayé d'éditer des choses. C'est notamment sur la question du monde paysan. Hein, il a été évoqué tout à l'heure par Célia, mais là aussi, hein, il y a une destruction totale, massive, mondiale du monde paysan, hein, qui participe complètement de la technicisation, de l'urbanisation des sociétés, de l'artificialisation des sols, etc., etc., et aussi de la destruction de formes de culture, de manière d'être, de mode d'organisation, de mode de pensée. Alors si ces mouvements-là sont déjà assez avancés dans nos pays, on voit aujourd'hui qu'elles se déroulent à l'échelle mondiale. On a publié à ce sujet un livre qui s'appelle « Le sacrifice des paysans » d'Yves Dupont et de Pierre Bitoun, hein, qui revient là-dessus. On a aussi publié « On achève bien les éleveurs », parce que dans ce monde-là des éleveurs, il y a eu des résistances, il y en a encore, notamment avec le collectif « Faut pas pucer », avec des gens qui ont pu s'organiser. Donc ce livre a été écrit par Aude Vidal et Guillaume Trouillard. Enfin, deux domaines qui nous paraissent assez intéressant de traiter et de défendre, c'est notamment la question du livre et de la lecture, hein, qui là aussi pour nous constitue la lecture continue, la lecture profonde, un espace de résistance, hein, notamment pour construire son intériorité, hein, pour avoir un rapport au monde qui soit autre qu'un rapport fondé sur de nouvelles formes de rationalité, sur les données, sur les flux, un espace de concentration, un espace où on est avec soi et un auteur, un espace où on se sort finalement de toute la société d'hypercommunication dans laquelle on est, un espace quelque part de décélération, hein, par rapport à ce mouvement d'accélération globale. Donc on a publié un livre qui s'appelle L'assassinat des livres, qui revient sur toutes ces questions-là, hein, de lecture, sur l'importance du monde du livre. Et enfin, je terminerai là-dessus sur un livre qu'on va sortir à la rentrée, qui s'appellera Critique de l'école numérique, hein, qui est coordonné notamment par François Jarige, et qui va reprendre un certain nombre de textes
d'enseignants, d'enseignantes, de professionnels de l'enfance aussi, qui vont parler de cette question de l'école numérique, puisque là aussi l'école est attaquée, il n'y a aucune raison qu'elle ne le soit pas de toute façon, mais elle est attaquée aujourd'hui de manière assez, assez dure et sûrement irréversible, même si les choses ne se passent pas toujours à la vitesse à laquelle nos numérisateurs voudraient. Mais voilà, on va rendre compte de ça avec des textes notamment de David Noble. Là aussi, je tiens à le citer, puisque c'est quelqu'un qui est mort, mais qui était un penseur assez important du progrès et de la technique aux États-Unis. Donc voilà, je vous ai, au travers de ce petit catalogue de livres, tenté de présenter, et ce n'est pas les seuls, et comme je vous dis, c'est partial, mais différentes formes de résistance, tout du moins sur le plan intellectuel, mais pas que, qui peuvent exister par rapport à ce déferlement technologique. Merci. Merci Cédric. Merci Cédric. Ben, merci à vous trois pour vos interventions. Merci Joël, merci Célia, merci Cédric. Avant de faire une courte pause de 5 à 10 minutes, comme lors de la précédente table ronde, je voulais repréciser, puisque tu parlais du ravage des écrans, de Manfred Spitzer, qu'il y a des collectifs et des associations présents dans l'espace association, dont Lève les yeux. Le Cause aussi a été invité, je ne suis pas sûr qu'il soit là, tu parlais du Cause. Il y a aussi Alerte écran, Lâche ton écran. Le collectif aussi, Écran Total est présent, les éditions La Lenteur, et bien sûr toutes les autres associations, Sciences Citoyennes, Systex, Ingénieurs Sans Frontières. Voilà, merci beaucoup. Une des volontés de l'organisation de cette demi-journée, c'était donc l'ébauche et la construction d'une communauté technocritique. Donc on vous donne rendez-vous, nous, pour un prochain événement en février 2020, organisé par Science Critique, et justement toutes les personnes présentes lors de ces deux conférences débats. Et aujourd'hui, parmi vous, le public, les intervenants, sont tout le monde est le bienvenu pour s'associer, réfléchir, d'accord, construire quelque chose. Vous avez déjà pensé à... On va commencer du coup les questions. Donc on va commencer par une première question. Oui, bonsoir. Donc, je voudrais intervenir en tant que professeure et militante syndicale qui voit un petit peu l'impact des technologies, en particulier du numérique, dans l'éducation nationale. Et je voulais réagir. En fait, la réflexion que je me faisais en vous écoutant, c'est qu'il y avait, en termes de possibilités de résistance, il y avait quelque chose qui était, à mon sens, trop peu présent ou pas présent clairement dans ce qui avait été expliqué. C'était tout ce qui concernait ce que nous sommes quand nous travaillons, nous, dans le monde du travail, en fait. Et les exemples qui ont été montrés, notamment par Célia Isoar, c'est des exemples de gens qui ont résisté, comme elle l'a dit, en désertant, en quittant leur métier, parce que leur métier n'était plus en conformité avec leurs valeurs. Et donc leur façon de résister, ça a été d'arrêter leur métier. Mais moi qui suis enseignante et qui tient à mon métier et qui en ai une haute conception et qui tient aussi à mon métier parce qu'il est profondément lié avec le service public et que c'est très important pour moi, je ne me vois pas résister à l'emprise du numérique actuel dans l'éducation nationale en désertant. Ça m'est impossible, moralement, puis plus simplement, ça m'est difficile parce que je ne me vois pas faire autre chose. Voilà, je ne sais pas faire autre chose, j'ai un métier, je le possède et je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Donc ma question, c'est dans ce cadre-là, comment construire des résistances dans le monde du travail pour des gens qui veulent résister en défendant leur métier à cette emprise technologique ? Et en particulier à l'emprise du numérique, et qui ne veulent pas déserter, en fait. Mais je ne mets pas du tout de mots péjoratifs à déserter, hein. Je dis juste qu'il y a des situations différentes. Et nous, dans l'éducation nationale, on est confrontés à ça en ce moment. On est confrontés à cette difficulté d'avoir un métier qui change parce qu'on veut numériser l'école.
Voilà. Et donc, on essaye de construire des résistances. Pour moi, ça passe notamment par une implication beaucoup plus forte de ces questions dans les organisations syndicales. Voilà. Ça, c'est parce que je suis militante syndicale. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Si j'ai donné l'impression de lancer un appel universel à la désertion, c'est un malentendu, c'est pas du tout mon intention. Au contraire, enfin, il se trouve qu'il y a des gens qui ont déserté et qui ensuite vont attaquer dans des sphères qu'ils ont précédemment désertées, parce qu'ils continuent à défendre des choses, mais les gens peuvent faire autrement, et moi il me semble que dans les luttes, l'important c'est de partir de là où on est et de qui on est. On n'a pas besoin nécessairement de se transformer en quelque chose, quelqu'un d'autre, pour lutter, au contraire. Et en plus, je pense qu'on a déjà fait le constat qu'aujourd'hui, un des enjeux majeurs par rapport à l'invasion du numérique, c'est de défendre des métiers. Ça peut être ça, de défendre des pratiques, les choses qu'on aime, et qui vont être complètement pourries par le nouveau logiciel, qui se confond avec une nouvelle pratique de management ou qui va parasiter complètement les rapports avec les autres. Et c'est le cas dans l'éducation. Alors là, il faut que la parole tourne parce que je pense qu'il y aura d'autres personnes qui auront des choses à dire là-dessus. Oui, aujourd'hui, il y a un enjeu immense et très important à fédérer une lutte des enseignants, des parents d'élèves, au moins, à minimum ça, contre la numérisation de l'école. Et qui va de pair avec la marchandisation de l'école, en fait, puisque c'est Microsoft, en fait, la numérisation de l'école aujourd'hui. Et moi, ce qui me vient en tête, c'est le groupe, le collectif Écran Total, qui compte plusieurs professionnels de l'éducation, qui est une sorte de réseau, qui a publié notamment l'appel de Beauchastel contre la numérisation de l'école. Mais je sais qu'il y a aussi eu plusieurs formations en lien aussi avec Écran Total et Sud, le syndicat Sud, sur ces questions-là, justement pour essayer de s'associer pour créer quelque chose. Donc, est-ce que d'autres gens ont des pistes là-dessus ? On peut faire part d'initiatives ? Moi, il se trouve que je suis enseignant en fin de carrière. Et on m'a vraiment, vraiment cassé les pieds avec les histoires de cahiers de texte en ligne et Pronote et tous ces trucs-là, les cahiers, un tableau numérique, ça. Et j'ai dit, basta, quoi. Voilà. Mais j'ai pu le dire parce que je suis en fin de carrière. Je pense que je serai en début de carrière, je ne sais pas. Et puis déjà, si j'étais en début de carrière, je serais déjà formaté. Je pense que je n'aurais même pas envie de dire, voilà, les digital natives, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Nous, enfin moi, j'ai l'avantage d'avoir de la bouteille. Hein. Tout à l'heure, quand je disais que la technocritique, c'est vraiment tout un travail, toute une pensée qui s'élabore dans le temps, moi, j'ai construit ma réflexion dans le temps au fil des années, et justement, confronté à ce genre de situation, mais c'est absurde, cette histoire de Pronote, machin, de trucs. Donc j'ai dit non, merde. Voilà. À ma hiérarchie, enfin, j'ai pas dit merde comme ça, mais en substance, c'était ça. Je dis, alors, il y a des ruses, mais qui sont des ruses purement individuelles. C'est, on joue au couillon, quoi. Oh, je sais pas comment ça marche. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une autre remarque ou un questionnement dans la lutte contre la numérisation de l'école, ou on passe à un autre sujet, sinon, s'il y a personne qui est... Voilà. Juste un petit témoignage sur le même sujet. Catherine, qui est à mes côtés, ma compagne, est docteur en informatique, ingénieure de recherche à l'INRIA. Elle s'est retrouvée en détachement comme enseignante de mathématiques à l'éducation nationale, à un moment donné. Et parce que je l'ai demandé, bien sûr. Oui, oui. Mais, et elle a tenu à mener ce discours à son inspecteur, mais immédiatement, l'inspecteur a fait un rapport et le détachement a été arrêté. Elle a été mise à l'écart de l'éducation nationale pour avoir tenu ce discours. Je termine, tu pourras prendre le micro après. Moi, par ailleurs, je suis... qu'il n'y ait pas de cacophonie. Moi, par ailleurs, je suis élu local, maire d'une ville de 5000 habitants, où il y a 2 collèges, 2 lycées, 3 écoles, président d'une communauté de communes. Et donc, tout récemment, c'était la période du grand débat. Les préfets écrivent aux maires en disant « Messieurs les maires, faites des débats ». Donc, on organise ensemble, dans cette ville, un débat sur le numérique à l'école.
avec son expérience, avec la mienne, avec la référence du livre de Biwix, d'autres sources, d'autres témoignages. Voilà, ça se voulait être une conférence débat. Donc j'essaye de toucher les personnes a priori les plus intéressées, les enseignants et les parents d'élèves de la commune. Donc je demande aux différents principaux, proviseurs et directeurs d'école s'ils veulent bien diffuser en interne l'info. Certains principaux ou proviseurs l'ont fait plus ou moins ou pas du tout, mais à la limite, ça ne me regarde pas. Par contre, l'école primaire, dont le maire est quand même en grande partie gestionnaire et responsable d'une partie du fonctionnement, j'ai gentiment demandé aux directrices d'école primaire si elles voulaient distribuer un petit tract que je leur diffusais pour inviter les parents d'élèves. Et l'inspecteur a refusé, leur a interdit de le distribuer aux parents d'élèves. Voilà. Alors, je ne vous raconte pas toute la suite, ça serait un peu long, mais voilà. C'est juste le témoignage sur les résistances aujourd'hui de l'éducation nationale dès qu'on veut parler de cette question. Alors en ce moment, je suis très en résistance, je dois dire, par ailleurs, parce que j'ai donné un permis de construire une cabane de gilets jaunes, ce qui a beaucoup déplu au préfet. J'ai pris un arrêté anti-LBD dans la commune. Enfin, voilà, la période est compliquée, on va dire. Pardon, on ne va pas monopoliser la parole. Je voulais juste dire qu'effectivement, à l'éducation nationale, essayer de résister de l'intérieur, j'étais en détachement donc à une cinquantaine d'années. J'étais considérée comme étant stagiaire, alors que j'ai quand même enseigné pendant une dizaine d'années dans le supérieur par ailleurs. Et du coup, effectivement, j'étais soumise à des évaluations par des professeurs conseillers pédagogiques qui venaient m'examiner dans ma classe, etc. Tout s'était toujours très bien passé. Sauf effectivement une fois que j'ai eu dit à l'inspecteur que le numérique éducatif, je trouvais que ça n'apportait rien, au contraire, et je lui ai donné des arguments de docteur en informatique, donc quand même un petit peu de poids. Et alors ça ne lui a pas plu du tout. Et je me suis payée après, plusieurs mois après, donc sur le coup il n'a rien dit, hein, mais plusieurs mois après j'ai pris connaissance d'un rapport qui avait été écrit à l'issue de cette inspection, et c'était une catastrophe. Et les trois autres rapports des conseillers pédagogiques, qui étaient très favorables, avaient disparu. Ils avaient disparu. Donc là, maintenant, je suis sous le coup d'un arrêté de fin de détachement à l'initiative exclusive de ma hiérarchie à l'éducation nationale, pour incompétence notoire. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il faut quand même le savoir. Voilà. Merci. Il y avait une question juste là, devant, au deuxième rang. Oui, donc Bertrand Séné, donc moi je suis économiste, écologiste. C'est un peu difficile à concilier, mais on essaye. Je pense qu'on sera d'accord sur une chose, c'est que critiquer, puisque là on est sous science critique, ça ne veut pas dire être contre. Ça veut dire chercher à discerner les bienfaits et les éventuels méfaits. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas ni excessivement enthousiaste, ni systématiquement opposé. Donc ça suppose qu'on cherche à discerner si telle ou telle technique ou technologie apporte vraiment une amélioration, un bienfait. Donc là, juste pour donner un exemple, le métro... Quand il a été créé, je pense que c'était très très critiqué, il devait y avoir mille raisons de le détester. Aujourd'hui, on considère que c'est plutôt quelque chose d'assez... enfin, pas mal, quoi, je pense, mais on pourrait avoir un débat. Même chose sur le vélo électrique, on peut avoir un débat là-dessus. Globalement, je pense que quand même c'est un bienfait par rapport à l'automobile, voilà. Mais encore une fois, on peut avoir un débat là-dessus. La question, moi, qui me paraît importante, c'est est-ce qu'on choisit une technologie en faisant ce calcul de bienfait-méfait ou parce qu'on est fasciné par la technologie. Or, il se trouve qu'il y a énormément de technologies, effectivement, qui d'abord nous fascinent, et donc on fonce dedans et on l'achète parce que, voilà, c'est un truc, le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on met au milieu de la maison, puis on lui parle et puis il résout tous nos problèmes. C'est ça, un assistant, voilà. Franchement, on ferait un débat là-dessus, je crois que voilà, ce serait assez amusant, parce que je ne pense pas que ce soit un énorme progrès dans la vie humaine. Et de la même manière, je pensais, on en a parlé, hein, du véhicule autonome, où on peut parler des SUV aujourd'hui. Est-ce que c'est un progrès d'être 30 cm au-dessus par rapport aux voitures berlines? Je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin, enfin je suis même sûr de l'inverse. Mais ce qui est vraiment dommage en fait, par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, on devrait, à chaque fois qu'il y a une technologie qui est introduite, avoir une structure, un endroit
où on puisse débattre. Parce que là, le problème qu'on a, c'est que vous avez parlé tout à l'heure du Linky. Ben moi, j'ai essayé de m'intéresser au Linky. Je suis incapable de me faire une opinion. Je suis obligé de faire confiance aux uns et aux autres. Sauf que je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Et c'est comme l'histoire qu'on nous a racontée cet après-midi, l'histoire des étoiles. Voilà, si vous me racontez qu'il y a 1 milliard d'étoiles, je vous crois. Et la peinture, si je dis qu'elle est sèche, ben je vérifie. Ben dans le cas du Linky, moi, je suis désolé, je suis incapable de savoir. Donc, il faudrait avoir des structures qui permettent vraiment d'avoir des débats, de vérifier, d'avoir des contestations et qu'entre scientifiques, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si il y en a qui pouvaient imposer ce qu'ils voulaient, puis il y a les autres qui contestent, mais finalement, ils n'ont pas de pouvoir et donc le truc se fait. Donc, il y a vraiment un problème d'infrastructure, je dirais, de l'introduction de la technologie. Et justement, pour finir par rapport à ça, c'est en fait la façon dont c'est conçu aujourd'hui, c'est il y a une technologie qui émerge. Ça on ne pourra jamais l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a un inventeur, à un moment donné, qui trouve un truc et tout. Ça, on ne peut pas l'éviter. Mais ce qu'on pourrait éviter, c'est qu'il y ait une entreprise qui s'en empare et que le seul élément qui fasse qu'elle se développe ou pas, c'est qu'ils arrivent à la vendre. Ça ne devrait pas du tout être comme ça. Ça devrait être d'abord un débat démocratique et il faut qu'on crée les structures pour ça. Et puis de dire, bah oui, cette technologie, ok, on la développe, on y va, ou alors, au contraire, on ne le fait pas. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on propose et qu'on arrive à structurer le truc de façon intelligente, sage, etc. Ma proposition. Je vais répondre rapidement avant de vous laisser répondre, parce que du coup, je quitte un peu mon rôle d'animateur, mais je prends part au débat. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je te tutoie, puisqu'on se connaît, on s'est croisés dans différentes conférences, etc. Et on ne peut pas avoir une position, comme tu dis, médiane en disant « Ah, il faudrait voir les bons côtés, les mauvais côtés, etc. » Cette position médiane, elle, à mon avis, elle ne tient pas, parce que du coup, elle est pas, on doit retourner à la racine, aux symptômes, aux racines du mal. Et donc, ça reprend le vieux débat de dire, et toi qui es écologiste, et quand on voit le désastre écologique en cours, de se dire, est-ce qu'il faut donc des meilleures machines, des machines plus efficaces, plus performantes, ou est-ce qu'il faudrait moins de machines? Moi, je suis dans le camp de ceux qui disent qu'il faut moins de machines. Il faut donc décélérer, décroître, etc. C'est ma vision. Et donc là, tu poses la question en disant, il faut analyser chaque technique et se dire, et à chaque fois qu'on nous propose une nouvelle technologie, se dire, celle-là, elle n'est pas trop mal, elle est un peu moins bien, etc. Enfin, moi, j'ai une vision qui est plus tranchée que la tienne. En tout cas, je me pose plus cette question, mais après, je laisse répondre. Pour qu'il existe une structure de débat, il faut bien qu'il y ait une volonté de débat. Là, on a eu un témoignage. Allez parler à l'inspecteur de madame. Vous ne pouvez pas nous organiser un petit débat là sur l'utilité des techniques dans le... Et la réponse, elle est hautement significative. Elle est carrément ultra violente. La réaction, elle est tyrannique. Alors là, pour le coup, tyrannie technologique, là, on y est. Hein, d'accord ? Alors, je renvoie une citation d'un ingénieur, je crois, Denis Gabor. Tu pourrais me renseigner. C'était un ingénieur... ça te parle ? Gabor, la loi de Gabor, non ? Oui. C'est bon. Gabor disait, en 64, je me souviens de l'année, il disait que tout ce qui est techniquement possible... sera nécessairement fait. C'est ça, Thierry, tu connais ça? Tu connais pas? Denis Gabor. Voilà. Tout ce qui est techniquement... C'est possible? On peut le faire? Allez, on le fait. Qu'est-ce que tu veux mettre du débat là-dessus? Mais pas de débat. On n'arrête pas le progrès. On l'arrête pas parce qu'on ne le discute pas. C'est indiscutable. Quand je dis que la technocritique, c'est une posture totalement inaperçue, on est... Là, c'est bien, on est... Mais on est... Que dalle, on n'est rien. Toi, tu faisais tout à l'heure état de toutes les publications, très bien, mais ça peut donner l'illusion qu'il existe un grand... On est dans l'entre-soi. On est dans l'entre-soi, là. On n'est rien. Mais auprès de mes propres amis, auprès de ma propre épouse, je me censure. Elle me dit, mais tu veux donner encore une définition à la technique? Et je dis... C'est pas moi. La technique a changé de statut. C'est pas moi. Eh oui, bah, il faut bien tenir compte de ce changement de statut. Alors j'arrête. Hein, je veux pas faire de crise conjugale, mais auprès des proches, ça me fait plaisir d'être avec vous parce que je me sens bien avec vous, parce que voilà, avec mes amis, on parle d'autre chose. Il y a une véritable solitude intellectuelle.
Alors c'est pas, ça ne veut pas dire souffrance, on s'accommode. Il n'y a pas de souffrance, on s'accommode, c'est comme ça. Alors, moi je veux répondre à la manière dont vous présentez un petit peu la chose. Vous dites, il y a quelqu'un qui invente quelque chose, bon ben, il y a des industriels qui reprennent derrière, un peu normal. Moi, je pense que ça ne correspond pas tout à fait au type de société dans laquelle on vit. Il y a eu plusieurs modèles. Et en France, par exemple, on a eu un modèle assez centralisé, celui des 30 Glorieuses, hein, qui a vraiment rendu programmatique la hausse de la productivité et la recherche, financer une recherche d'État, etc., qui avait des avantages, notamment pour les chercheurs, mais qui a programmé l'existence, le déferlement technologique, en réalité, notamment via la recherche militaire dans la plupart des pays riches. Aujourd'hui, si on regarde un peu comment ça se passe au niveau des Silicon Valley, c'est assez parlant. Enfin, c'est récemment est paru un livre qui s'appelle Le capitalisme de plateforme, qui décrit très bien ça. C'est l'ensemble du capital accumulé, du capital excédentaire, qui, dans notre monde, est quand même assez considérable, qui, presque totalement, irrigue les sociétés de haute technologie via les fonds d'investissement. Donc ça veut dire que l'ensemble du capital accumulé va favoriser la montée en puissance et l'élaboration de nouvelles technologies qui sont toutes plus ou moins les mêmes, qui correspondent toutes au même imaginaire, au même type de projet et qui incluent toutes le numérique, l'électronique à l'intérieur. Donc c'est nos forces sociales, les ressources financières, les fonds publics qui sont tout entières tendu vers un but, le reste étant relativement marginal. Ah oui, il faut encore financer les crèches. Bon, bah, quel fardeau. Bon, d'accord, ok. Bah, voilà, moi je le vois un peu plus comme ça. C'est-à-dire que le cœur du capitalisme aujourd'hui, c'est l'avènement de nouvelles technologies. Oui, il y a une question au fond de la salle. Mais je me permets une petite précision. Vous avez vu que la séance est filmée. Donc vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez aussi refuser d'être filmé. Si vous le voulez, il suffit de le dire pendant que vous prenez la parole. Voilà, merci. En fait, en entendant différentes interventions tout à l'heure, parce que j'étais pas là cet après-midi, y a une chose qui me frappe, c'est que donc finalement, enfin in fine, il me semble, Joël, que vous avez dit entre les lignes quelque chose qui va dans cette direction, c'est-à-dire au fond l'enjeu, c'est pas forcément les technologies en tant que telles, c'est des manières de les concevoir, c'est des manières de penser. Donc vous avez bizarrement pas utilisé le terme de paradigme, qui est un mot très à la mode aujourd'hui sur les questions liées aux enjeux écologiques, les changements de paradigme. Et donc je pense que c'est intéressant aussi de passer par là pour prendre un peu de distance, en réfléchissant aussi sur, au-delà de la discussion et les critiques de la technologie, les technologies s'insèrent dans des enjeux et des contextes plus larges. Et je pense qu'une chose qui serait intéressante, puisqu'aujourd'hui on réfléchit beaucoup sur la question de notamment les paradigmes cartésiens, enfin, si vous voulez, mon intervention, c'est aussi prendre de la distance, qui m'a semblé que vous interrogiez aussi la réflexion, l'anticapitalisme, le capitalisme, la technologie existait avant le capitalisme. Et du coup, si on déconstruit en fait l'évolution de certaines formes de paradigmes, on s'aperçoit qu'ils sont historiquement plus anciens que des discussions éventuellement sur la technologie. Et il me semble qu'en repassant par là, ça permet aussi de mieux réfléchir et interroger les enjeux technologiques. Donc, effectivement, je ne vais pas simplifier, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, les réflexions sur la critique cartésienne par rapport à des visions plus systémiques, voire holistiques. Ça, je pense que passer par là et repartir de ces réflexions-là, ça peut être intéressant pour interroger la technologie. Cette technologie, finalement, ça semble être aussi assez logiquement, si j'ose dire, assez conforme à une réflexion de type cartésienne. Donc si on veut déconstruire les enjeux autour de la technologie, c'est intéressant de revenir en arrière
et de voir à partir de quel moment une pensée cartésienne, qui elle-même était dans un contexte historique spécifique, a pu contribuer au développement d'un certain imaginaire technologique qui ensuite s'est accéléré dans le monde du capitalisme, à l'époque capitaliste, mais aussi grâce à la possibilité d'ancrer ces technologies par l'usage de ressources énergétiques qui étaient abondantes et qui ont permis de en fait, changer tous les dispositifs anthropologiques, c'est-à-dire notamment avec le pétrole, de pouvoir se déplacer, s'autonomiser et arriver à des technologies qui finalement, il y a des gens qui disent, pour simplifier, grâce à la technologie, on est capable chacun de produire des effets qui sont deux fois plus importants que si on n'avait pas les technologies. En fait, c'est des technologies basées sur ces énergies. Les technologies existaient avant, mais elles n'avaient pas les mêmes effets et n'avaient peut-être pas le même impact anthropologique. Donc la question serait, est-ce qu'au fond, le problème, c'est un saut de nature dans les technologies ? Est-ce que c'est la technologie comme une prolongation d'un esprit et d'une manière de penser cartésienne ? Donc ça serait une manière intéressante de déconstruire les enjeux technologiques et de les critiquer en se demandant comment on pourrait développer des technologies qui sont donc pas en droite ligne d'une vision cartésienne, qui ne sont pas adossées à des ressources énergétiques illimitées apparemment, ou des ressources énergétiques sales, et donc aller vers une vision de la décroissance où la technologie est un enjeu, une façon de structurer la société ou de faciliter certaines choses en l'extrayant du paradigme cartésien et au recours à des énergies abondantes et problématiques. Donc j'espère que ce que je dis est relativement clair, parce que c'est forcément très abstrait. Non, j'ai décodé. Voilà. Alors, d'abord, je n'ai pas utilisé l'expression changement de paradigme précisément parce qu'elle est à la mode. Bon. En revanche, il y a Bernard Charbonneau, il avait une belle expression, il parlait de grande mue. Voilà. Je trouve que c'est parlant. La grande mue, alors, le saut de nature. La grande mue, elle tient au, je l'ai dit, je le répète, au changement de statut de la technique, qui était un moyen qui devenait une finalité. Ça, c'est un point important. Je n'ai pas dit que l'idéologie technicienne, elle était antérieure à l'idéologie capitaliste. J'ai dit qu'elle était plus déterminante, ce qui n'est pas pareil. Parce qu'on est vraiment dans l'œuf et la poule. J'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure, pendant la pause. Moi, je ne me prononce pas la question, mais je pense que l'idéologie technicienne est vraiment façonne l'idéologie capitaliste. Et puis, pour... Oui, on parle de déterminisme. C'est plus déterminant. Bon, mais pour être plus, pour utiliser une image, quand avec le temps, comme j'étais fatigué, je suis fatigué d'expliquer cette histoire de ce sacré transfert à la technique. Alors j'utilise une image. Bon, on va sourire un peu. Vous savez, vous connaissez peut-être, il y a un proverbe chinois qui dit quand tu montres la lune du doigt à l'imbécile, l'imbécile le regarde de doigt. Eh bien, moi j'inverse la chose. Elle est là la grande mue. C'est que les choses, c'est quand un technophile me montre un écran plat, moi je regarde le doigt, je dis mais pourquoi tu me le montres ? Il faut inverser. J'ai commencé mon exposé en disant que la technocritique, c'est la critique d'une façon collective de penser et de vivre. Elle est là. Le sacré transféré à la technique, c'est tiens, je te transfère. Ouais. Alors, un dernier point, tu peux me... autre chose pour expliciter, parce que moi je reproche, je cite souvent cette phrase, mais je reproche à Hillul, pour le coup, de pas avoir été jusqu'au bout. Pendant longtemps, j'ai pensé que ce qui faisait blocage dans la compréhension de cette formule, c'était le mot sacré. Et du reste, je le pense toujours, parce qu'on se dit religieux, tout ça, oh, je veux pas entendre parler de religieux, tout ça. Mais en fait, je crois que le vrai mot, le vrai blocage, c'est sur le mot transfert, parce que au fond, transférer depuis où ? Ah bon, je transfère le sacré sur la technique, mais tu le transfères d'où ? Et là, je pense que Hillul a commis une erreur d'appréciation assez grave, enfin, c'est lourde de conséquences. Je pense que quand on transfère quelque chose,
on transfère depuis l'inconscient. Jorion en a parlé tout à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé quand Jorion a dit se connaître soi-même. Et il avait utilisé cette expression après avoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, après avoir parlé de psychanalyse. Se connaître soi-même en profondeur et comprendre l'époque, ça va vraiment ensemble. J'en suis intimement convaincu. Intimement. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, pour faire avancer le débat technocritique, il faut véritablement prendre en considération que l'inconscient est une donnée avec laquelle il faut composer. Or, l'inconscient, le concept a eu son heure de gloire au moment de la psychanalyse, avec Freud au tout début du XXe siècle, et puis c'est passé à la trappe. Pourquoi ? Parce que ça a été écrasé par le behaviorisme et les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, qu'est-ce que c'est ? Une technique. Parce qu'on a souvent aussi reproché à lui, vous dites que la porte de sortie pour pas tomber dans le piège de la sacrée transférée, il faut être chrétien. Et Lul n'a jamais dit ça. Lui, c'était sa position. Il avait sa foi chrétienne qui le libérait de toutes sortes d'aliénations. Mais ce qu'on peut lui reprocher, et moi je lui reproche, parce que moi on me dit souvent, toi tu jures que par Ellul, mais moi j'ai plein de choses à reprocher à Ellul. Et notamment, il était tellement en rage contre Freud, à juste titre, parce que je crois que Freud avait une vision déterministe, d'accord, et donc, mais il a jeté, à mon avis, le bébé avec l'eau du bain, il a déconsidéré la psychanalyse. Parfois, il utilise souvent l'adjectif inconscient, l'adjectif oui, mais pas le nom. Pour lui, l'inconscient, il n'a jamais voulu savoir ce que c'est. Et c'est vraiment pour moi le nœud du problème. Il y a transfert du sacré depuis l'inconscient. On projette. Et si je peux juste faire encore une autre métaphore, si vous voulez, c'est comme l'expérience amoureuse. Être amoureux et aimer, c'est deux choses différentes. Tomber amoureux, tomber, c'est se casser la gueule. Être amoureux, c'est pas du tout aimer. C'est aimer. Il y a beaucoup de narcissisme dans l'état amoureux. C'est on croit aimer l'autre, et en fait, on aime l'image qu'on s'en fait. On projette. Une question, justement. Moi, je suis un peu perdue, là. Je sais plus bien ce que je voulais dire, mais c'était à partir de ce que vous disiez, parce que ça a été un petit peu rejeté. Et je me dis que c'est peut-être un moment de nécessaire pour approcher, pour je sais pas, pour avoir un petit peu élargir un peu, même de se poser les questions comme ça, c'est bien, c'est pas bien. Moi, j'ai pas envie de faire ça, hein. Mais c'est bien, c'est pas bien. Non, ça m'embête. Mais il y a peut-être un moment où on arrive à trouver quand même quelque chose qui a tourné suffisamment en rond pour voilà, aller un petit peu plus loin. Et parce que c'est par rapport à l'entre-soi, quand tu dis, Joël, qu'on est dans l'entre-soi, oui, mais si on peut pas rejeter une façon comme ça aussi de vouloir approcher les choses. Et du coup, je rebondis sur le mot communauté qui me déplaît profondément, parce que c'est exactement ça, une communauté. Voilà. C'est ça que je voulais dire. J'ai été même dans le titre même, là, aujourd'hui. Ce mot communauté me repousse. J'ai bien dit que j'étais provocateur. J'ai bien annoncé la couleur. Mais je me suis bien empressé de parler. C'était d'ailleurs de préciser que je parlais de communauté de pensée, mais pas d'autre chose. Vas-y. Oui, c'est juste une petite idée par rapport à cette dame qui a témoigné, spécialiste en informatique et travaillant dans l'éducation nationale et malmenée par son inspecteur. Je me dis qu'au lieu d'annoncer la nouvelle sur ce méchant inspecteur, il serait utile de mettre sur Internet le nom et le prénom de cet inspecteur, son adresse privée, le code digital pour pouvoir rentrer chez lui. Et si possible, toutes sortes d'autres renseignements, sa photo essentiellement, l'immatriculation de sa voiture, et toutes sortes d'informations utiles et livrer ça sur ce qu'on appelle ça maintenant les réseaux asociaux, quelque chose comme ça. Enfin, utiliser Internet pour que la nouvelle soit diffusée au maximum et laisser en libre service pour plein de types d'actions. Je sais pas, on peut taguer sa maison, taguer sa voiture, on peut le suivre dans la rue, on peut faire des petites pièces de théâtre autour de lui quand il marche dehors. Enfin, vraiment
c'est la tactique du naming and shaming, vraiment désigner ces gens et arrêter d'être dans l'anonymat. Par exemple, j'entends souvent dans des réunions militantes, le procureur a dit ceci. Il ne faut jamais dire le procureur, il faut dire monsieur, truc, machin, qui habite là, etc. Il faut vraiment désigner les gens parce que ça permet de mener des actions. Voilà. Une autre question juste derrière, deuxième rang, tu me disais. Juste monsieur, là. Oui. C'était juste pour dire que, en fait, on situe bien donc dans faire le lien entre la première et la deuxième table ronde. Donc, on est bien dans une logique de retarder, en tout cas, ou d'empêcher ou de contrecarrer l'effondrement. Donc, en fait, toutes les initiatives qui contribuent à gagner du temps sur cette affaire-là, en fait, sont plutôt bonnes à prendre. C'est-à-dire que l'idée d'un débat public pour trancher ou retarder des décisions qui, de toute façon, sont généralement favorables au secteur économique, enfin à l'économie en général, sont toujours bonnes à prendre. Donc oui, sur des conférences de citoyens qui permettent effectivement de créer un débat argumenté, contre-argumenté, avec une formation de citoyens, etc., avec des experts du côté A et du côté B qui permettent une délibération par des non-spécialistes, mais pour le coup des citoyens éclairés par des arguments, des contre-arguments. Ça peut être une manière de retarder et de gérer des processus qui peuvent paraître effectivement nous dépasser. Après, moi, enfin, sur la critique, enfin, finalement, si on se critique, alors la difficulté, je trouve, par exemple, il y a eu une critique de la quantification. Mais alors, critiquer la quantification, je trouve, c'est un problème parce qu'on s'enlève des outils. Si on dit, voilà, on a une empreinte écologique qui est insoutenable, il faut corriger le tir, il faut diminuer notre consommation par 3, 4, 5, selon où on se situe. Ces données-là, bon, c'est des données quantitatives qui sont quand même utiles à trouver des repères individuels et collectifs dans la sphère de consommation et l'impact qu'on a sur notre environnement. Ces éléments-là, ben voilà, il faut, je veux dire... on peut pas à mon sens, on ne peut pas se priver de ce possible-là. C'est-à-dire qu'il faut quantifier nos usages et il va falloir les corriger et se donner des repères. Alors, on peut rêver d'une éducation populaire. Les soirées comme celle-là sont fort intéressantes, je vais dire, mais elles sont quand même, ça a été dit, un petit peu en milieu réservé, entre guillemets. Enfin, voilà, pas très connu, quoi. Voilà. Et puis même quand on regarde nos propres comportements individuels, c'est hyper dur de faire évoluer des comportements. Ça peut prendre des années, des décennies pour faire évoluer trois. Enfin, des comportements alimentaires, par exemple. Enfin, voilà. Donc, voilà, on peut miser sur l'éducation, on peut miser un peu plus sur la contrainte, sur la loi, sur le politique, en fait, hein, qui normalement est censé justement mettre des limites, donner des règles, voilà, resituer les enjeux, prendre des délibérations qui soient contraignantes, quoi. Alors, bien sûr, on l'a un peu oublié parce que le politique aujourd'hui a complètement démissionné. On est dans un monde libéral qui s'interdit d'interdire, hein. Voilà, donc si on veut décroître, il va falloir borner, il va falloir objectiver, il va falloir quantifier et il va falloir frustrer, quoi. Donc en fait, frustrer, voilà, c'est un mal pour un bien, on est d'accord, hein, mais en expliquant. Mais voilà, donc je sais pas, voilà, voilà, la critique de la quantification, attention, et puis. Voilà, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on raisonne dans un modèle économie de marché comme horizon unique. Il y a eu d'autres tentatives qui n'ont pas forcément abouti, donc voilà, sur ce qu'on aurait pu souhaiter. Mais il y a d'autres modèles de vision économique possibles autour de l'économie distributive, autour de, voilà, d'une création monétaire réglementée. Enfin, voilà, il y a quand même des possibles, autres que l'économie de marché, qui n'est pas le seul horizon quand même... des possibles en matière d'échange d'argent, voilà, d'économie, quoi. Donc, et qui peuvent servir un projet de coût de décroissance, quoi. Sur la critique de sur la quantification, il y a un récent papier de Vincent De Victor qui est paru sur le site de la revue Terrestre, qui justement la mise en ombre, le chiffrage de l'Anthropocène. Et il y a une phrase dans le papier qui dit à un moment, le fait de chiffrer brouille, le fait de chiffrer l'Anthropocène finalement empêche
sont des chiffrages. C'est-à-dire, à force d'avoir de tout calculer, d'avoir des nombres, les nombres parfois sont trop gros, nous écrasent et nous empêchent ensuite de réagir. Et je trouve cette réflexion assez intéressante. Et après, bah, y a, bien sûr, il y a un principe de réalité. On a des indicateurs avec des chiffres. Et bien sûr, on peut écrire, on peut enquêter, on peut décrypter. Effectivement, ça nous donne des clés de repère. Mais par contre, le fait de tout quantifier et d'arriver à standardiser, numériser, d'avoir une enveloppe de chiffres qui nous entoure, ça, c'est quelque chose de déplorable, puisqu'elle nous coupe quelque part du réel en prétextant qu'elle va tout chiffrer. Enfin, juste une petite remarque là-dessus, parce que là, c'est vrai que ça nous emmènerait, si on commence à partir sur un débat sur les questions de quantification, etc., ça nous amènerait loin. Mais le fait qu'aujourd'hui, on soit obligé, par rapport à la catastrophe écologique en cours, hein, qui est en cours réellement, qu'on soit obligé de s'appuyer sur des données chiffrées, des évaluations scientifiques, etc., prouve, alors c'est un constat, hein, prouve aussi l'éloignement croissant dont la plupart des gens, y compris pour une bonne partie d'entre nous, ont été éloignés de la nature. Parce que tous les gens, bon, il y en a de moins en moins dans nos sociétés, mais qui ont un rapport sensible, voire pour certains professionnels, à la nature, le constatent. C'est-à-dire, j'étais par exemple au Pays Basque il y a une quinzaine de jours, justement, pour parler de ces questions-là. Il y avait des gens, justement, qui sont encore en lien très fort avec la nature, des bergers, des gens qui avaient eu, enfin, qui ont, comment, qui s'occupent de potagers, mais voilà, pas le petit potager urbain, qui ont vraiment, voilà, qui s'occupent de culture, etc. Tout ce qu'on peut voir, ou tout ce qu'on a pu voir au travers des chiffres qui nous ont été montrés tout à l'heure, ou qu'on peut voir par ailleurs, sur la disparition des espèces, dans tout l'ensemble de données dont on dispose, eux en ont une expérience sensible. Alors après, évidemment, on est dans un monde où, s'il n'y a pas de données, si on ne chiffre pas, si on ne quantifie pas, ça n'a aucune valeur. Mais ça, je dirais que ça traduit déjà le fait. Alors après, on peut dire oui, mais on est obligé de s'inscrire là-dedans parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est le monde d'aujourd'hui. On est obligé de le constater. Mais cela prouve quand même que tout ce qui pouvait relever de l'expérience sensible et d'autres manières de traduire finalement un rapport au monde ont été de plus en plus marginalisés. Et c'est vrai qu'il suffit de parler bon, avec des pêcheurs. Je pense pas à Daniel Cérézuel, qui est un pêcheur et qui donc est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup sur Bernard Charbonneau, hein, qui l'a bien connu, bon, explique ça très bien, qu'il suffit d'aller dans une rivière, il suffit de pêcher pour voir qu'il y a eu des transformations importantes, quasi irréversibles, et qui auront des conséquences très fortes. Et là, juste de par l'expérience sensible, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment capable de l'entendre, ça. Et on le voit dans tous les débats. Bon, là, ce n'est pas le cas ce soir, mais on peut intervenir à certains endroits, sur certains sujets comme ceux-là ou d'autres, et immédiatement, les gens vont nous demander des données. C'est-à-dire que là, on voit que le nombre a triomphé par rapport, finalement, au sensible, à la poésie, ou même par rapport à une pensée articulée, avec une argumentation. Elle ne vaut rien par rapport à de la donnée. Oui. Pour preuve, à des moments, on peut voir des gens en permanence en train d'essayer de demander donc des références, des données, etc., en train de les vérifier en temps réel, comme si dans un débat, ils ne pouvaient pas avoir un minimum de rapport de confiance et réfléchir plutôt ensemble, même si on n'est pas d'accord, ou à des arguments, à des contre-arguments. Non, c'est immédiatement les données qui doivent parler. Et il suffit qu'une donnée qu'on donne soit fausse pour qu'immédiatement, finalement, toute notre argumentation s'effondre, puisque les personnes pensent que la vérité est dans le nombre. Monsieur Devant, merci. Là et là, et là. Mais je commence. Juste deux points rapides. Un sur l'illusion du choix technologique. Moi, j'ai passé une assez longue carrière maintenant là-dedans, dans ce milieu-là, hein, le milieu des startups et de l'intelligence artificielle. Les choix sont faits en amont, c'est-à-dire les gens qui financent ça sont les militaires. Donc, quand il y a la guerre, il y a beaucoup d'argent et donc ça va beaucoup plus vite. Et quand il n'y a pas de guerre, les fonds passent assez majoritairement par les militaires. En intelligence artificielle, c'est particulièrement vrai parce que le leadership jusqu'à maintenant a été pris par les États-Unis. Et aux États-Unis, c'est l'armée qui décide des endroits où on va financer la recherche. Juste pour prendre un petit exemple, on connaît tous la voiture automatique qui marche plus ou moins bien, mais qui est en mouvement vers ça. Son origine, c'est ce qui s'appelle les Grand Challenge de la DARPA. La DARPA, c'est l'organisme qui finance la recherche, donc militaire. Et l'idée du Grand Challenge était d'avoir une voiture qui pouvait faire un trajet dans un désert américain. Ça a duré pendant deux ans. Deuxième année, ils ont pensé que c'était bon. Ils ont pris le vainqueur de ça. C'était le laboratoire de Stanford, le labo d'IA. Et ils l'ont fait financer par le capital risque. Donc il y a un jeu à deux entre les militaires.
militaires qui ont énormément, énormément, énormément d'argent, et le capital risque qui est, comme tu disais, c'est le surplus de capital qui vient s'investir là-dedans. Pourquoi ? Parce que c'est un niveau de rentabilité extrêmement bon, quand les capital risqueurs sont bons, ce qui n'est pas le cas en France, mais aux US, ils ont beaucoup d'expérience. Donc ça, c'est le choix est fait en amont. Maintenant, je trouve qu'on a assez peu parlé, on a parlé de résistance, c'est une sorte de réflexe de résister, il faut résister, mais en même temps, c'est un peu fatigant, et on ne gagne pas toujours, voire pas souvent. La meilleure résistance, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, on a peu parlé de ce qu'on construit, de quelle société on propose, et de comment nous, on propose de gérer le problème de la technologie. Hein. Et il me semble qu'il y a... alors, je ne suis pas du tout expert là-dessus, malheureusement, mais il y a quelques exemples qui viennent assez rapidement. Moi, j'étais tombé sur les Amish. Alors les Amish, ça paraît un peu baroque, c'est les gens avec leur vieux chapeau, etc. Mais à regarder d'un peu plus près, et je pense qu'il y a un vrai travail à publier là-dessus, il me semble. Ça semble être une société contemporaine, c'est-à-dire c'est pas des gens avec des plumes dans la tête, etc. Ils sont tout à fait contemporains, qui gèrent ces choix technologiques, qui les gèrent avec succès et qui est en développement. Alors je mets à l'écart l'aspect religieux de la chose. Pardon ? Il ne faut pas le mettre à l'écart, mais disons que ce n'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sujet sur comment on organise. Il y a des exemples qui semblent plus ou moins fonctionner. Il y a peut-être le travail de Bookchin. J'ai vu qu'il y avait un livre qui était présenté là avec le communalisme libertaire. Et en fait, il y a les questions d'échelle. C'est-à-dire que si on se dit qu'il faut choisir au niveau national, on va partir sur les commissions d'experts, les comités d'éthique. Tout ça est une grosse blague. Ces gens n'arrêtent pas de reculer, de reculer, de reculer. Et ils se font plaisir, mais ça ne fonctionne pas. Donc, si on pouvait avoir un tout petit peu de discussion sur qu'est-ce qu'on propose, je trouve que ça serait génial. Oui, moi, je voudrais dire que je regrette il y a un sujet sur lequel il n'y a eu aucun mot pendant la soirée, c'est la question du nucléaire. Et pourtant, de mon point de vue, il y a eu, à un moment donné, un mouvement anti-nucléaire significatif et qu'on pouvait très bien dire technocritique, même si ce n'était pas du tout les termes de l'époque. Et je trouve dommage qu'on ne l'évoque pas, parce que je pense que ce n'est pas du tout un sujet qui est dépassé aujourd'hui. Je pense que le modèle nucléaire, de toute manière, il y a encore des gens aujourd'hui qui bataillent pour le maintien du nucléaire. On devrait quand même s'interroger sur ce qu'est devenu ce mouvement anti-nucléaire et la perte de sa dimension, je dirais moi, technocritique, au profit d'une gestion militante strictement anti-pollution, même si c'est des pollutions en perspective. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, mais je veux dire, il y a encore des gens qui militent aujourd'hui, malgré la crise du nucléaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue technique, du point de vue de tous les scandales qu'il y a actuellement sur les questions de cuves, de l'échec de l'EPR, etc. Bon, il n'y a pas de force qui s'oppose à ça, alors que ce serait le moment... le moment d'enfoncer le clou. Mais je voulais aussi dire que le modèle capitaliste, je veux dire, qui s'est dessiné sur la question du nucléaire, qui était un modèle centralisateur, qui s'appuie aussi sur la volonté de puissance des États, ce modèle-là, il n'a pas complètement disparu, parce qu'il y a un modèle capitaliste d'un autre genre, avec les nouvelles technologies, le capitalisme de plateforme, etc. Les deux choses fonctionnent ensemble. Je veux dire, en particulier parce que les nouvelles technologies et les alternatives fonctionnent toutes sur l'idée du développement de l'électricité. Hein, et c'est tout le problème du tout électrique qui est posé aujourd'hui, et qui se pose, y compris aujourd'hui, dans les luttes contre les éoliennes industrielles. Tout ça, c'est des sujets importants et qui devraient, à mon avis, s'accrocher aussi à la critique du tout numérique, etc., qui suppose
beaucoup de consommation électrique et qui, jusqu'à maintenant, n'a pas remis en cause, au moins en France, le système centralisateur. Bien au contraire, je veux dire, le système centralisateur de la production électrique se poursuit et se renforce. Juste là, le... Bonsoir. J'aime autant pas être filmé parce que ça va être... Alors j'ai deux questions. Une, est-ce que vous pensez que le système technicien ou le système industriel, enfin, peu importe comment vous l'appelez, est-ce qu'il est réformable ou est-ce qu'il doit être renversé ou s'il faut le pousser un peu dans l'espoir peut-être d'une survie de l'espèce, enfin des espèces et notamment de l'espèce humaine. Et ma deuxième question, je suis assez étonné dans les discussions technocritiques qu'on ne parle jamais ou si peu du terrorisme à l'égard de la technique dont la figure de Una Bomber est assez connue outre-Atlantique, mais en France pas du tout, je crois, enfin peu. Bah, il a été traduit aux encyclopédies des nuisances, je crois que c'est tout. Il y a eu plusieurs traductions aux encyclopédies des nuisances, elle était un peu plus fine. Oui, il y a eu Annie Lebrun qui l'a traduit aussi en 96, je crois. Donc, enfin, la question c'est qu'en est-il de la violence et est-ce que le système est réformable ou pas? Cherche des exemples contemporains, populaires, de lutte, de mouvements de lutte contre justement la civilisation techno-industrielle. Un ou deux, ce serait pas mal. Célia, Cédric, Joël. Ah, là, c'est bon, il y a une grappe de quatre questions, donc maintenant on peut répondre. C'était assez dense. Mais bonjour. Pendant qu'ils se concertent, mes collègues, sur la question du nucléaire, la question c'est la technique. Je l'ai abordé un tout petit peu. La technique ou les techniques. Tant qu'on est sur les techniques, quand on traite les techniques séparément, à mon avis, on perd son temps. Ce qui est important, c'est toute l'idéologie qui les techniques. Mais les techniques, on revient toujours sur les usages, ces choses-là, c'est la rationalité, la recherche maximale de l'efficacité voilà, en tout domaine. Ça, c'est la bonne question. Mais on peut passer beaucoup de temps sur les OGM, on l'a dit, je crois que c'est Jean-Baptiste qui a évoqué ça aussi tout à l'heure. Alors, on peut passer beaucoup de temps sur les OGM. Je ne crois pas que ça serve à quelque chose. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je pense pas. Bon, il faut pas diviser. Si on divise les techniques, la technique règne. Je sais pas. Alors, si vous comprenez. Il faut pas sectoriser. Il y en a marre. On va pas tayloriser ces questions-là. Enfin, ça suffit. Il faut penser globalement la technique. C'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile. Cédric. Je reconnais que c'est pas facile. Cédric. Alors. Il faut distinguer quand même ce qui est de l'ordre de la réflexion et qui en effet doit être plus globale, hein, et en effet doit inclure la question du nucléaire, mais doit inclure la question des nouvelles technologies, doit inclure peut-être, je démarrais mon intervention en parlant de mouvements anti-industriels. Alors après on peut toujours se dire à quel moment est-ce que les choses basculent, est-ce que c'est la naissance, je ne sais pas, au XVIIe siècle des formes de sciences modernes, est-ce que c'est le XIXe siècle avec l'émergence d'un capitalisme industriel réel, ce qu'on a appelé les révolutions industrielles, est-ce que c'est au XXe siècle, et notamment la fin du XXe siècle, avec ce déploiement des nouvelles technologies qui va finalement s'insérer dans ce large mouvement. Donc c'est toujours le principe, la réflexion entre continuité et rupture. Est-ce que cette histoire est constituée de rupture, ou est-ce que tout ça est un mouvement continu? Donc ça, c'est un débat très très compliqué, très long.
peut-être parfois vains, mais importants quand même, sur lesquels il faut réfléchir. Mais en tout cas, c'est sûr que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il faut l'inscrire dans une réflexion plus globale sur la question de la puissance, sur la question de la quantification, sur la question de la rationalisation, de l'industrialisation, et aussi du gigantisme de nos sociétés. Parce que, évidemment, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a évoqué la question de l'échelle, mais elle est déterminante. Évidemment, elle est déterminante. Par exemple, juste pour donner cet exemple, hein, c'est pas forcément pour lancer un débat là-dessus, mais par exemple, quand quelqu'un dit voilà, on pourrait auto-gérer, je prends un exemple un peu trivial, mais auto-gérer des grandes usines, bon, des gens qui ont une vision finalement très politique de la chose, qui se dit voilà, si on auto-gère, les choses iront mieux. Bon, à partir du moment de toute façon où les choses atteignent un certain seuil, on est obligé de mettre en place des techniques élaborées qui correspondent à cette taille. Donc de toute façon, la question de l'échelle, la question de la taille des sociétés dans lesquelles on veut vivre, la question de la taille des unités de production, on va dire, dans lesquelles on veut travailler, elle est déterminante. Elle est déterminante. Donc c'est sûr qu'on est, pour moi, systématiquement obligé. Et de toute façon, si on regarde l'histoire, par exemple, de ce qui est pour moi décisif, qui est la question de l'information, hein, puisque tout ça, quand on parle de tout ça, c'est la question quand même de l'information, on voit très bien qu'il y a un lien étroit entre la taille des sociétés et le niveau de développement et de technicisation de l'information. La mondialisation qui opère, et aussi un formidable, pas forcément au sens positif, hein, mais déploiement de puissance, de circulation de l'information. Bon. Après, donc, je pense qu'il faut en effet penser globalement. Après, pour ce qui concerne les luttes, en effet, si on veut à un moment traduire dans le réel, dans le concret, les réflexions qu'on mène, on est bien obligé de les porter sur des territoires donnés, sur des questions données. On ne peut pas rester sur la question de la technologie en elle-même. On est bien obligé à un moment de, comment on pourrait dire, de cristalliser, hein, ces réflexions et de créer à des moments des rapports de force, ce qu'on appelle faire de la politique. Donc là, en effet, alors je pense que Célia avait quand même déjà donné un petit panorama des luttes qui existaient, que ce soit Linky, etc. On parlait aussi du nucléaire. Hein, c'est vrai que tout à l'heure, une dame aussi me faisait la pause, me disait « Oui, c'est vrai que vous parlez des nouvelles luttes, mais en fait, il y a toujours les anciennes. Aujourd'hui, on va parler des smartphones, l'intelligence artificielle, mais prenez l'exemple, oui, mais le téléphone portable, par exemple, sur lequel il y avait une critique qui avait été menée, qui était intéressante. À son émergence, on n'en parle plus aujourd'hui. Enfin, bien sûr que le problème, c'est qu'on est face à des phénomènes où les choses paraissent irréversibles, se cumule et s'accélère. Donc c'est sûr que nous-mêmes, hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, ça dépasse notre entendement, ça dépasse notre capacité à réfléchir et agir. Mais on est bien obligé à un moment de concrètement agir quelque part et sur quelque chose. Et c'est là, en effet, que les luttes sur le nucléaire, en effet, n'ont pas disparu. Hein, notamment, il y a pas mal de luttes, je crois, par rapport à la question de l'enfouissement des déchets. Les ZAD, alors on ne va pas partir sur un grand débat sur les ZAD, mais ou une forme ou une dimension, on peut dire, technocritique. Je ne veux pas les réduire à ça, puisque peut-être que des gens qui allaient lutter n'auraient pas forcément partagé tous nos points de vue. Mais en tout cas, il y a cette dimension-là, quand même, hein, contre l'artificialisation de territoire, contre l'accélération du monde. L'aéronautique, par exemple. Et aujourd'hui, pour moi, on pourrait prendre l'aéronautique comme exemple ou comme espace de lutte intéressant, puisque on pourrait, je ne dis pas du tout qu'il y en a d'autres, parce que c'est l'accélération du monde, c'est la réduction du monde, c'est les problèmes environnementaux, c'est l'hypermobilité, comme on pourrait aussi questionner les véhicules autonomes, etc. Après, des résistances, pour revenir tout à l'heure aussi rapidement à la personne qui parlait justement de qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle, dans son école. En effet, la question des métiers, la question des lieux où on travaille, en effet, on peut faire sécession, comme on l'a dit tout à l'heure, déserter, mais on peut aussi essayer de lutter, hein, contre l'implantation du numérique, le développement du numérique, le basculement numérique, hein, comme ils disent, hein, qui est en train de s'opérer partout, et notamment à l'école. Et là, on voit qu'immédiatement, on repart sur des rapports de force finalement assez traditionnels, hein, puisqu'on a des directions, l'académie, des inspecteurs, etc., qui vont, soit par conviction, soit parce que finalement ils respectent les ordres, ils respectent finalement les grandes directions qui sont données par le ministère de l'Éducation nationale, vont agir, essayer de convaincre, voire réprimer s'ils n'ont pas réussi à convaincre. Et là, en effet, il y a des biais de lutte. Mais en effet, c'est être dans la marge, et c'est presque, je dirais, qu'on questionne la technologie, être dans la marge de la marge. Puisque une bonne part, enfin selon moi, des mouvements dits d'émancipation, de ce qu'on pourrait appeler, pour aller très vite, la gauche, n'a pas du tout, sur ces questions-là, je pense, pris la mesure des enjeux. Et notamment les syndicats, qui peuvent peut-être commencer, alors je ne sais pas si la personne tout à l'heure qui intervenait est toujours là, qui est une syndicaliste, hein, qui est quelqu'un qui pour le coup est à la fois syndicaliste et à la fois un regard critique sur ces technologies, mais je pense que pendant longtemps les syndicats, et sans doute encore parce qu'ils sont restés
dans ce mythe progressiste, hein, ils sont restés dans ce mythe progressiste, que le progrès social découlerait automatiquement du progrès technique. Ils n'ont pas réussi à forcément délier l'un de l'autre, font que aujourd'hui la question sociale et la question de la critique des technologies sont déliées. À nous de les raccorder. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, par des livres, par des interventions, par des combats. Nous, je sais qu'on avait pas mal avec des gens, parce que moi, je suis voilà, dans le monde du livre, on avait créé un collectif qui s'appelait Livre de Papier. Quand à un moment, hélas, peut-être, bon, je vais finir juste là-dessus, il y a peut-être quelque chose de positif, puisqu'on avait, au moment, je ne sais pas, vers les années 2012-2013, à un moment, on nous dit, voilà, la moitié des librairies en France seront fermées en 2015. Donc, il y avait un cabinet de conseil qui avait... décréter ça à partir de je ne sais quelle analyse, hein, mais ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices qui peuvent marcher dans certains cas. Hein, on vous dit, bon, bah, ça va, en économie, c'est bien connu, ça va disparaître, donc les gens s'investissent moins, des fonds ne sont pas levés, et boum, et les choses se passent telles qu'elles. Et vous voyez, on vous l'avait dit. Donc nous, on avait monté un collectif, quand on nous parlait de livres numériques, de dématérialisation totale de la chaîne du livre, on avait monté un collectif qui s'appelle Livre de Papier, dans lequel on avait mené une lutte, et on avait essayé de sensibiliser les professionnels, donc libraires, bibliothèques, et éditeurs, auteurs, etc. Bon, finalement, les choses ne se sont pas passées, ou pas passées en tout cas au rythme, parce qu'en effet, c'est compliqué. En effet, il y a, on sait très bien que la Silicon Valley, ses épigones, etc., fonctionnent beaucoup sur l'intox, la promesse. Ils sont tout le temps, c'est ce qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle les techno-utopies, hein, c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là, ils nous dessinent un monde et des promesses permanentes de bonheur, de bien-être, si on les écoutait. Hein, toutes les promesses, tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour nous libérer de toutes les tâches contraignantes et pour aller à l'essentiel, comme ils le disent toujours, on devrait aujourd'hui tous être en train de lire, de s'occuper de nos enfants dans des hamacs, en pleine nature, etc. C'est le monde qu'ils ne cessent de nous décrire depuis un siècle, hein, même avant les nouvelles technologies. C'est le monde que le capitalisme... Et on constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Hein, nous sommes sans cesse pris dans l'urgence, nous sommes sans cesse en état quasiment d'explosion. On voit très bien qu'il y a un malaise social, une anomie, etc. Donc là, il faut nous questionner ce qui s'est passé entre ces promesses et finalement la réalité. Donc c'est déconstruire aussi un discours. Donc voilà, voilà bon, quelques pistes, hein, je finirai là-dessus. Donc pensez à la question de l'échelle, selon moi. C'est tout le temps, la question de l'échelle. Olivier Rey, par exemple, a écrit sur la question de l'échelle et d'autres. La question de l'échelle, donc la question du niveau de communication, là où on s'inscrit, comment on s'inscrit, hein, quelque part, ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu physique, un territoire. Relier la question sociale à la question de la technologie, c'est-à-dire la question des métiers, la question des savoir-faire est pour moi déterminante. Alors, il y a un léger mouvement, il ne faut pas se mentir. C'est un mouvement par rapport à la tendance générale qui est encore très marginale, mais qui mérite d'être souligné, qui est intéressant. C'est tous ces gens, hein, qu'on a évoqués tout à l'heure, qui vont retourner à des métiers pourtant là contraignants, durs, qui demandent des efforts, qui ne sont pas forcément valorisés. Donc c'est des gens de, on va dire, de profession intellectuelle qui vont aller vers je sais pas, l'ébénisterie, vers la paysannerie, qui vont aller vers un certain nombre de domaines, hein, qui sont pourtant on ne peut plus à contre-courant, et qui choisit de faire ces sessions. On voit qu'on... Alors, ce n'est pas un mouvement forcément massif, mais c'est un mouvement quand même significatif qui est intéressant. Hein, et aussi, et j'en finirai là-dessus, c'est aussi essayer je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, de faire confiance aussi peut-être plus à nos sens et d'être capable de revaloriser l'expérience sensible. Hein, cela passe par le fait... d'avoir une vie intérieure, d'avoir des rapports peut-être profonds avec les gens, profonds aussi avec la nature. Par exemple, là-dessus, aux États-Unis, ça a encore été assez peu traduit en France, mais il y a plusieurs livres aux États-Unis qui parlent notamment du rapport entre les enfants et la nature, et qui expliquent qu'aujourd'hui, beaucoup de difficultés que les enfants peuvent rencontrer, de maladies psychiques, de difficultés à vivre, etc., sont dus au fait qu'on s'est totalement éloigné finalement de la nature, de cet environnement-là, hein, qui est dû à l'urbanisation, au repli aussi dans le pavillon, dans l'espace, dans le foyer, etc., etc., pour toute une... et qui crée aussi un rapport au monde qui crée du mal-être. Donc il y a aussi, je ne sais pas si restaurer, revaloriser l'expérience sensible et le sensible. Bon voilà, moi j'en finis là. Voilà, c'est quelques pistes, après, qui peuvent être chacune d'être travaillées. Donc la lutte, les questions, réfléchir à la question d'échelle, relier la question sociale, les savoir-faire, les métiers, au savoir-faire et aux métiers, et la question du sensible. Voilà, quelques pistes que je lance. Ouais. Alors, merci pour la synthèse.
Je pense aussi que, au-delà de la question de, d'utiliser l'action directe, la violence et tout ça, ce qu'on appelle la violence, qui s'exerce souvent contre des objets, il y a quelque temps, c'était même pas de la violence. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème de formulation et d'amener des questions dans le débat public, tout simplement. Ne serait-ce que le fait que aujourd'hui, par exemple, les syndicats représentent des gens qui sont manifestement complètement malmenés par les nouvelles technologies dans leur boulot. C'est le cas à la SNCF, c'est le cas à la Poste, c'est le cas dans l'éducation nationale. Donc ça représente beaucoup de gens, c'est le cas dans les impôts, etc. Et que ça ne se traduit pas en termes de description ou de revendication. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas si difficile que ça. Mais il y a un travail de formulation pour amener des constats et des mots d'ordre dans le débat public. Par exemple, on parle de l'école numérique. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui fait assez facilement consensus chez les gens qui s'intéressent à l'éducation ou qui ont des enfants. C'est le problème que pose la numérisation de l'école. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de revendication du type « Nous exigeons que les 50 millions d'euros que la région s'apprête à mettre dans la numérisation des lycées soient en réel, soient au contraire affectés à l'emploi de personnel supplémentaire. » Alors que c'est quelque chose qui est simple, en fait, et qui ferait assez facilement consensus. Et donc, moi, je pense qu'il faut s'interroger. Pourquoi ? Et essayer d'assumer ce type de point de vue qui sont parfaitement défendables et légitimes. Toi, tu voulais des exemples de lutte, mais je pense que ce qui se passe à Bure en ce moment, c'est quand même un très très bon exemple. C'est un pari. Il y a un rassemblement entre le 9 et le 11 août, notamment. Il y aura une grande marche aussi de femmes, reprendre une tradition de lutte, notamment anglo-américaine, de marche autour de Bure en septembre. Et là, c'est le pari que le problème des déchets est réellement une impasse pour le nucléaire et que donc bloquer la filière du stockage des déchets, c'est essayer de bloquer la chaîne, c'est un pari. C'est pas forcément exclusif, mais je pense que ça, c'est très important. Et aussi, je m'inscris complètement en faux contre ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que pour critiquer la technologie et critiquer en fait le capitalisme par le biais de la technologie, il faudrait faire des années d'études et de méditation en lisant Ellul et Charbonneau. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne jamais rencontrer personne et de ne jamais prendre part à des choses décisives qui changent la donne, quoi. Moi, je pense l'inverse. Je pense que, par exemple, dans la région toulousaine, au cours des 6 derniers mois, il y a eu je ne sais combien d'occupations ou de rassemblements devant Amazon pour bloquer les entrepôts d'Amazon. Il y a eu je ne sais combien d'appels pour bloquer Monsanto et tant d'autres cibles qui sont tellement directement des cibles du complexe industriel dans ce qu'il y a de plus destructeur et qui sont des occasions en or pour faire le lien entre justement les questions écologiques et les questions sociales et que c'est là qu'il faut aller, quoi, avant de se demander si on veut créer une communauté technocritique un petit peu un club. Non, mais du coup, ça me permet de dire autre chose. Et sur cette même question de lien entre les questions sociales et les questions écologiques, bah, y a aussi des mouvements de grève dans le secteur de la logistique. Et dans le secteur de la logistique, des gens qui conduisent des transpalettes et tout ça, c'est vraiment des gens qui se prennent de plein fouet le déferlement technologique et qui en souffrent dans leur travail. Et là aussi, il y a vraiment un travail à faire pour que les mots d'ordre correspondent aux réalités qui sont vécues par les gens. Il y a un sociologue qui s'appelle David Gaborio qui travaille dans Sens. Il y a un groupe qui s'est organisé, qui a notamment beaucoup soutenu la grève chez Géodis, qui s'appelle la plateforme d'enquête militante. Donc ça, c'est important. Et contrairement aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que prendre un sujet, par exemple les OGM, c'est une manière de dérouler la pelote. En fait, je pense qu'on n'a jamais autant parlé du problème des pesticides, du problème des lobbies, des semences et du problème massif de l'agriculture industrielle que depuis que les gens se sont attaqués aux OGM, parce qu'en fait, ça a obligé un certain nombre de gens, notamment urbains, de regarder ces questions et de comprendre que les OGM s'intégraient dans un système beaucoup plus large qui posait problème. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la contestation du modèle agricole industriel a tellement avancé
par rapport aux autres qui ont beaucoup moins avancé. En termes à la fois de critique et en termes d'alternatives, c'est là où le front est le plus avancé pour faire autre chose, quoi. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Anthony va dire un dernier mot avant que je vous remercie tous. Oui, non, je voulais vous signaler qu'avant qu'on se sépare, vous dire que Science Critique aimerait aussi prendre une part active dans cette technocritique. Et pour vous dire, pour celles et ceux qui seraient intéressés, scientifiques ou non d'ailleurs, essayez peut-être d'être à l'instigation de mobilisation, d'action au sein même de l'institution de recherche, par exemple de la recherche scientifique, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté aujourd'hui, mais c'est vrai que la recherche scientifique, évidemment, les scientifiques ont évidemment leur part de responsabilité dans l'avènement de certaines formes de société, etc. Donc, l'idée aussi de ce soir, parmi toutes les propositions, les idées qu'on a formulées là, il y aurait aussi la possibilité, autour de sciences critiques, mais même sur différentes formes, hein, de la création de collectifs dans des laboratoires, dans des facultés, dans des écoles doctorales, etc., de monter des initiatives, des actions plus ou moins symboliques, des actions de terrain pour poursuivre les discussions, les échanges qu'on a eu aujourd'hui. Donc, si certains d'entre vous veulent écrire comme des manifestes, par exemple, des tracts ou encore une fois constituer des collectifs autour de certaines questions, de certaines disciplines, de certains instituts, n'hésitez pas à le faire savoir par l'entremise de Sciences Critiques ou entre vous aujourd'hui, dans les échanges que vous avez pu avoir autour d'un verre ou non d'ailleurs. Voilà, Edouard, c'est à toi. Merci. À tous, merci à tous, merci à tous les intervenants de cette demi-journée. La plupart de la première table ronde sont partis, mais merci à vous trois. Merci à tous les participants du public d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je tiens à remercier toutes les associations qui étaient dans l'espace associatif aussi et qui sont venues nous rejoindre et qui ont pu discuter avec vous, échanger. Merci à la librairie Quilombo aussi qui était présente là. Merci au 100 ECS bien sûr pour son accueil. La liste de remerciements est longue. Merci à Jeanne qui s'est occupée du buffet. Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main, l'équipe de Science Critique, des gens qui sont venus nous filer un coup de main extérieur. Je pense à Basile et à Arthur particulièrement. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures, comme vient de le dire Anthony. Un dernier point, on vous consultera bientôt parce qu'on va lancer des enquêtes et vous pourrez choisir sur le site de Science Critique quelles sont les enquêtes préférées. Enfin, vos enquêtes que vous voulez particulièrement qu'elles soient mises en avant et que nous on fasse de l'investigation sur ces sujets précis. Ça sera début juin, là, ça va arriver. Donc vous pouvez regarder sur le site de Science Critique et vous inscrire à la lettre d'information, puisque nous sommes qu'un site internet pour l'instant, mais nous passerons certainement au papier aussi avec une revue, j'espère, bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt à tous. À bientôt. Merci.